Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans Quelle Époque, votre talk show préféré du week-end sur France 2. Le public va bien? Oui. Ouh, dites donc, on est en forme ce soir. Allez, sans plus attendre, on accueille notre invité permanent, le charmeur, le charmant Christophe de Chavannes. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qui nous reste. Comme l'amour, de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qui nous reste. Bravo, assis. Ah, ah mon Christophe. Un peu d'amour et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Il suffit de faire un demi-geste maintenant. C'est magnifique. Ouais. Vous avez vu? Espèce de grâce que vous avez eue. Comment ça va, mon Une libellule. Oui. Pourquoi, vous? Une petite marge entre la libellule et vous, mais oui. Dites-moi, rassurez-moi, vous êtes en forme, parce que vous savez que mardi, on a rendez-vous, vous et moi. Mardi? Mardi, on a rendez-vous. Pour les océans? Pour les océans. Mais ils vous ont pas dit? Non. Mais c'est-à-dire qu'il m'a poussé des palmes depuis. Parce que je suis allé faire une expérience et depuis... Alors, juste dire aux gens, on a un grand prime sur France Télévisions avec Hugo Clément, Laurie Tillman, Diego Buñuel, Julien Bugier, Valérie Filin, ça s'appelle Les Super Pouvoirs des Océans, ça sera en direct mardi soir. Et je suis allé faire une expérience absolument extraordinaire où je suis allé voir un phoque, enfin en tout cas c'est son surnom, dans la Manche. Et j'ai passé un moment extraordinaire avec cet homme, qui est le recordman mondial des longueurs de nage. Je vous donne un exemple, la plus grosse qu'il ait faite, c'était 72 heures et 51 minutes, genre, sans s'arrêter. Il a nagé 72 heures, sans pause, et sans dormir pendant 72 heures. Oui, il a fait l'aller-retour entre Canada et Los Angeles. Mais voilà. Il a traversé la Manche, et avec moi, on s'est baigné. Donc je me suis baigné avec le phoque. Il était 9 heures du matin, il faisait très froid dans la mer du Nord. Eh oui, mesdames, vous avez un mutant. Eh bien, vous allez... Honnêtement... Sérieusement maintenant, mardi soir en direct sur France 2, on va jouer, on va rire, on va aussi porter des projets pour sauver les océans. C'est vrai qu'on va jouer, dites donc. Et on va jouer avec vous. C'est pas vous qui faites le quiz? Non, c'est vous qui faites le quiz. Ah, c'est un métier en même temps. Et Christophe de Chavannes a donné de sa personne. Wow. Rendez-vous sur la plage, rendez-vous sur la plage. Ah, putain. Je suis arrivé déjà à moitié crevé, moi. Je le vois toujours pas là. Pourtant, il est costaud, le gars. Ah! Ah, il est là, lui! C'est joli, costaud. Voilà, mesdames, messieurs. Le phoque, monsieur le phoque, alors, c'est qui a d'études scientifiques, il est impressionnant. Cet homme nage 72 heures sans s'arrêter. Christophe de Chavannes avec sa valise. Christophe de Chavannes qu'on retrouve en prime time et en direct. Mardi, franchement, c'est à pas louper. Ah, c'est gentil. Eh ben ouais. Bah, c'est surtout vous. Hein. Vous et Hugo. Non, non, vous êtes là. Ça va, Paul de Saint-Sernin? Vous êtes en forme? En forme, ouais, je suis impressionné par ces images. J'ai hâte de voir ça mardi soir. Bah, c'est bien, vous serez devant la télé. On retrouvera évidemment Philippe Cavrivière pour son fil Paul et son fil actu tout au long de la soirée. Quelle époque, saison 2, épisode 11, voici le sommaire. Ça fait un an qu'on l'attend dans Quelle Époque. Il est l'un des animateurs préférés des Français, le plus fin connaisseur des têtes couronnées. Mais en vrai, il avait un rêve, un seul depuis qu'il est gamin, être comédien. Un rêve qu'il réalise en ayant le premier rôle dans Bellefond, fiction diffusée mardi soir sur France 3. Stéphane Bern passe son samedi soir avec nous ce soir, on est très contents. Elle est devenue la plus grande ambassadrice des paysans en France. Elle est leur confidente, leur marieuse et aujourd'hui leur porte-voix. Elle produit et présente un documentaire exceptionnel ce lundi sur M6. Ça s'appelle « Famille de paysans, 100 ans d'histoire ». Karine Le Marchand est aussi dans Quelle Époque ?
On va chanter aussi ce soir les plus beaux airs des grandes comédies musicales avec celle qui restera pour l'éternité, l'Esmeralda de Notre-Dame de Paris. Elle est tout naturellement la star du spectacle Les Comédies Musicales, le concert en tournée en France et notamment au Dôme de Paris le 15 mars prochain. Hélène Ségara est aussi avec nous ce soir. Il partage désormais l'antenne tous les dimanches après-midi avec Philippe Cavrivière sur France 2 où il passe l'actualité et les politiques à la sulfateuse. Il débarque ce soir en bande organisée, Alex Vizorek, et ce soir dans Quelle Époque avec son nouveau complice, notre filou Cavrivière. Et puis événement dans l'émission ce soir, il revient après 2 ans d'absence avec un nouvel album Crash Cœur, ce premier titre ultra dansant que vous avez entendu, Love and Tendresse, c'est le carton de l'automne, il vous l'interprétera en fin d'émission, un des artistes les plus talentueux de la nouvelle scène française. Eddy de Préto est aussi avec nous ce soir et on accueille tout de suite le roi Stéphane Ier, la reine des agriculteurs, la queen de la comédie musicale, le petit prince de la chanson française et le king de l'humour belge. Stéphane Bern, Karine Marchand, Hélène Ségara, Eddy de Préto et Alex Vizorek. Ça va Stéphane? Ça va Hélène? Tu vas vous accompagner, voilà. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Ça va Hélène? Bonsoir, on est ravis de vous avoir. Ça va Karine? Très bien. Alors, Karine Marchand et Stéphane Bern. En bleu. Oh, oui, on est la team. Oh, mais là, vous êtes ouais, c'est vrai, vous êtes d'accord. Réglez vos téléviseurs. On l'a fait tout en dégradé. Ouais. On est très, très heureux de vous recevoir tous, autant que vous êtes ce soir. On a du lourd, hein, Christophe. Eh bien, on a du lourd, je ne sais pas de qui vous parlez. mais en tout cas, oui, en tout cas, ils viennent visiblement pour la même promo. Non, mais moi, je suis très contente, parce que c'est vrai que Stéphane Bern et Karine Lemarchand, pour les avoir, si tu veux, il faut envoyer les invitations un an à l'avance. Ah, je ne savais pas. Eh oui. C'est pire que des... C'est plus facile d'avoir Gérald Darmanin ou Édouard Philippe que vous. Mais eux, sont en promo régulièrement. Parce que vous, pas du tout. Eddy de Préto, il est arrivé sur votre musique. Le nouveau disque, le gros carton de l'automne déjà. Le premier single est absolument génial. Vous allez nous l'interpréter tout à l'heure. Love and Tendresse. Moi, je l'écoute en boucle. Et monsieur Vizorek, comment il va? Vous n'avez pas changé. Mais dites donc, parce qu'il est passé... Passé le Rubicon. Il est passé le Rubicon, il est à RTL, il a quitté France Inter, donc on ne se voit plus dans les couloirs. On ne se voit plus le matin, mais quand même, je vous écoute de temps en temps. Pop, parce que moi, j'ai lu vos déclarations. Il a dit, je n'écouterai France Inter que le dimanche soir. Et c'est ce que j'ai fait aussi, mais c'est vrai que Léa, de temps en temps, c'est toujours un exemple d'interview. Oui, n'en faites pas trop. N'en faites pas trop si vous voulez bien. Ça va, Hélène? Ça va. On est content de vous avoir également. On va chanter avec vous, on va danser avec vous les plus beaux airs de la comédie musicale. Mais on commence avec le roi Stéphane Ier. C'est pas mal, Stéphane. Non, j'ai aucune prétention. J'ai jamais eu de Stéphane Ier. Hein. Non. Ça n'existait pas. Ben, Stéphane, en grec, veut dire le couronné, déjà. Donc, il n'y a pas besoin, ça fait redondant. Ah, ça veut dire ça. Oui. Ah, oui, vous étiez destiné, mon cher Stéphane. Il y a un nom. Oui. Dans la marmite du Gotha. C'était ça ou dentiste? Oui, c'est ça. Non, parce que vous avez tellement d'actu que je ne sais pas par quoi commencer. C'est-à-dire que vous avez un téléfilm, vous avez 2 livres qui sont là, vous avez Laissez-vous guider, vous avez une boutique que vous ouvrez dans le Perche, vous avez l'Eurovision Junior, c'est absolument du délire, vous êtes la c'est seule quoi, personne qui travaille plus que moi, donc je ne sais pas comment vous faites, c'est quoi, c'est la peur du vide, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas la peur du vide, c'est la gourmandise en fait, c'est quand on aime ce qu'on fait, je pense beaucoup à des gens qui n'ont pas trouvé leur passion, leur vocation, et c'est formidable d'aimer ce qu'on fait, et donc on le fait d'autant plus facilement qu'on est passionné par cela. Vous dites jamais non quand on vous appelle? J'ai du mal à dire non, vous le savez. J'ai toujours dit oui. Je sais bien. C'est pas vrai. Si, je dis souvent oui. Non, tu sais dire non. Non, parfois, je peux dire non. Mais est-ce que vous avez un exemple précis, monsieur de Chavannes? Oui, on a un exemple. Vous connaissez, non? On se connaît très bien avec Christophe pour une raison bien simple, c'est que j'ai fait mes débuts avec Christophe. Aussi, Stéphane? Oui, mais parce que toutes les semaines, vous aussi, Karine? Non, non. Si je me permets de raconter, il produisait une émission qui s'appelait Famille, je vous aime, d'Isabelle Quenin. Dans un décor
bord d'une maison, d'un appartement qui était jaune et bleu. Et donc, je devais raconter des familles. C'était l'histoire des familles composées, décomposées, recomposées, etc. Moi, je racontais des familles royales. Il y avait toujours un décalage. Alors, il m'a poussé dans mes, à être un peu plus drôle, à être décalé par rapport à Léon Zitrone. C'est lui qui me disait, mais lâche-toi. C'est possible. Oui. Il a été un très bon prof, Christophe de Chavannes. C'est-à-dire qu'il vous convoquait. Il vous convoquait après dans le bureau en disant lâche-toi, Stéphane. Non, mais il était très, très sympa. Il se trouve qu'en plus, on a un ami commun qui est Patrice Carmouze. Et c'est vrai qu'il a beaucoup officié. Et Patrice, après. Patrice est devenu votre ami après. Après, bien sûr. Ah, bah oui, parce que moi, ça fait. C'est vous qui l'aviez créé. Oui. Ah, mais je ne parlais pas professionnel. Non. Mais la vérité, c'est qu'il a créé tout le monde de Chavannes. C'est-à-dire que même vous qui avez. Il a commencé chez moi. Je lui dois beaucoup parce qu'il m'a fait confiance. C'est sympa les personnes qui tout d'un coup disent tiens celui-là il a quelque chose. Je me souviens d'autres dirigeants de chaîne qui ont dit oh non Bern, on n'en fera rien à la télévision. Dominique Ancien. Dominique, si vous nous écoutez. Que j'embrasse néanmoins. Non mais ça, on peut se tromper parfois. Bien sûr. Et Christophe avait dit à lui il a quelque chose. Voilà. Et Étienne Moujotte, le regretté, avait dit alors, tu vois, je sais pas ce qu'on va faire de toi, tu ressembles à personne. Personne non plus n'a envie de te ressembler. Mais je suis sûr que tu vas faire carrière. Non, mais c'était rigolo, parce qu'en plus, on le déguisait. Moi, je lui demandais d'aller à fond. Donc, il s'amusait beaucoup, en fait, parce qu'il se déguisait. Il était avec des grandes robes de chambre royale. Il était avec des habits de mariage ou de choses très, très, très sophistiquées. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais être sérieux, vous voyez. Donc, je me disais, bon, on s'en fout. Non, je disais, laisse-toi aller, t'es rigolo quand Karine Lemarchand, vous connaissez Christophe de Chavannes, vous aussi. Oui, il m'a produit sur une émission. Je ne me souviens plus de l'émission. Enfin, je ne me souviens plus du titre de l'émission. Je me souviens qu'il y avait un animateur qui foutait rien. Et au bout de deux numéros, tu m'as fait passer co-animatrice. Mais oui. Tu te souviens? Mais bien sûr. Il ne se souvient pas. C'est un type, bon, vous couperez si vous voulez. Non. Fuchs, tu te souviens? Ah mon Dieu. Ah oui. Non, faut pas couper. Il est à Renaissance maintenant. Ah bon? Il est à Renaissance. Oui, il est en Alsace, je crois. Ah, il a arrêté la télé quand même. Il est à Renaissance. Ah, mais j'ai pire, hein. Voilà. Je ne dirais pas quoi. Vous avez oublié que vous aviez repéré Karine. Non, pas du tout. Non. Si, vous aviez oublié. Non. On a été ensemble pendant 5 ans. Ça, c'est non, ça, c'est pas vrai. Hélène, vous devez tout à Christophe de Chavannes également. Tout. Ma voix, mon œuvre. Il a des défauts, on le connaît. Mais une de ses grandes qualités, je veux dire, un animateur qui tend la main à d'autres gens pour devenir animateur, ils ne sont pas beaucoup. Mmh. Ça, c'est vrai. Ils sont pas beaucoup. C'est une émission hommage à Christophe de Chavannes. Moi, je n'ai pas compris. Parce que moi, j'ai rien à raconter. Ben si, tu vas te débrouiller. Vous allez trouver. Eddie Depréteau, j'ai tout fait. Pour Eddie. Rien du tout. Non, je sais, on sait. J'ai l'impression que la soirée, il y a un truc, il y a private joke. Non, le problème, c'est qu'il sait même pas qui je suis, lui. Hein, ça se trouve. Je regardais la fin de Célébrité. Oh là là! Ah, c'est là! C'est le début de la dégringolade. Énorme succès. Moi, j'ai regardé aussi. Et on s'est quand même vu. En tout cas, c'est mardi, non? Bah, non. Il est trop jeune. Et alors, il y a eu des rediffs. Coucou, c'est nous. Oui, bon, allez. La vieillesse, on passe. En tout cas, à tout juste 60 ans, mon cher Stéphane, vous avez choisi de faire votre coming out d'acteur. Bah oui, et Karine qui fait. Il est hétéro. Non, le reste, c'était connu depuis longtemps. Vous aviez déjà fait quelques apparitions dans des fictions, des meurtres ou d'autres téléfilms. Vous aviez même fait une pièce de théâtre qui avait très bien marché. Mmh. Mais c'est la première fois que vous avez le rôle principal, le rôle titre dans une série. Stéphane Bern en Majesté, c'est dans Bellefond. Prochain épisode mardi prochain sur France 3. Et qu'est-ce que j'apprends en lisant que c'est votre rêve de toujours, que c'est votre rêve de gamin d'être comédien et qu'en fait, vous avez utilisé la télé pour arriver à ce rêve-là? Oui, au fond, j'ai toujours aimé faire ça. Je faisais des cours de théâtre quand j'étais au lycée. J'ai toujours rêvé de ça. Et puis, je me souviens d'un jour, on faisait une séance de photo avec Virginie Efira. Il me disait, tu sais, moi, j'en ai marre de la télé. J'ai envie de devenir comédienne. Alors, je dis, mais moi, j'aurais du mal à lâcher la télé parce que ça marche plutôt bien.
Mais j'avais ça, cette idée elle en vous tête. A, elle, ça vous a fait réfléchir oui, qu'elle vous dise ça. J'ai commencé à réfléchir. Et puis Lynn Renaud m'a dit, tu sais, les seules limites, c'est celles que tu te mets à toi-même. Ouais. Et au fond, et c'est vrai, elle me racontait, moi j'étais meneuse de revue, je suis devenue chanteuse, puis ensuite... Ah, elle, c'est ce que disait Lynn Renaud. Elle, oui, oui. C'est vrai, hein. J'ai senti non, bien non, je me suis dit, oui. J'ai loupé des trucs. Oui. C'est bien. En plus, j'attends des verges pour me faire battre. C'est très bien. Mais... Arrête avec ces mots-là. Et donc, j'ai toujours rêvé d'être... Oui, c'est pas l'heure de la bifle. Hein. Mais ce qui était super... Ah, le problème, que... c'est que si on lance Karine... Alors là... Sur le cul avec elle, on est mort. On a les deux meilleurs clients de la télé ensemble, vous n'allez pas parler. Ah si, il faut qu'il parle, il faut qu'il chante aussi. On adore Edith Prieto. Ah, bah oui. Ce qui est très amusant, c'est que j'avais envie, moi, d'y aller progressivement. Donc j'ai commencé avec Meurtre en Lorraine, puis pour l'honneur d'un fils, puis ensuite... Mais d'y aller doucement, parce que vous aviez peur d'être illégitime. Humilité, simplement. Il faut apprendre. Arriver sans dire, voilà, j'ai 30 ans de télé derrière moi, j'ai envie de faire de la fiction. Ce n'est pas un caprice. Et j'ai d'ailleurs dit à tous les réalisateurs ou les réalisatrices, j'ai dit, si je suis mauvais, il faut me le dire. Si je ne suis pas juste, il faut me le dire. Et ils le disent non. Non, ils avaient l'air de trouver que c'était mais plutôt... Mais c'est quoi le rêve? C'est j'ai le toujours signe. Fait, par exemple, j'ai joué dans... Et non, là, vous vous envoyez... Oui, des... Stéphane, on voit toutes les œuvres où vous aviez des petites scènes. Alors, parfois, mais j'ai là... des petites scènes. L'Art du crime, c'était un peu plus important. Soit riche et tais-toi, c'était Connasse, princesse des cœurs avec Camille Cotin. C'est vrai mais que c'est un petit passage. D'accord, mais le là, rêve, le premier rôle... Le rêve, c'est le cinéma? Non, c'est plutôt les téléfilms, j'aime bien. On voit les stagiaires là. Alors, votre personnage, Antoine Arthur, Belfond... Julia et Wendy. Et... Votre personnage, Antoine Belfond, est un ancien procureur oui. de la République, devenu avocat pénaliste. Son combat, c'est les erreurs judiciaires. Et quand un prof, c'est l'épisode de mardi, quand un prof est accusé de viol sur l'une de ses élèves dans un lycée horticole, il prend le dossier parce qu'il est convaincu que ce prof est innocent et que le violeur court toujours. Mmh. Extrait... Stéphane Bern. Ce qui est bien avec ton client, c'est qu'il me facilite la tâche. Tu n'as aucune preuve contre lui, que du circonstanciel. Ouais. Sinon, tu m'expliques pourquoi je suis tombée sur Camille et ta nouvelle recrue au lycée? Ah oui, je sais. Non, ils sont obligés de faire des petits boulots à côté parce que les temps sont durs. C'est la crise pour tout le monde. Arrête tout de suite de te foutre de mes gueules, Antoine. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même équipe. Je suis gendarme et t'es pénaliste. Pendant les heures de boulot, on n'est pas copains, c'est clair. Et je te conseille aussi de faire gaffe. Que tu te grilles, toi, ça te regarde. Mais grille pas tes stagiaires, ça, c'est grave. En plus, tu risques de pénaliser tes clients. Non, mais très drôle, le jeu de mots, commandant. Pénalise, pénalise. Je déconne pas, Antoine. Pénalise, pénalise. Karine Lemarchand, elle dit les beaux gosses. Karine Lemarchand, elle dit les beaux gosses. C'est vrai, hein. La soixantaine lui va très, très mais bien. Mais c'est des nouvelles expressions, je sais pas, il joue, hein. J'essaie d'être... En fait, on donne beaucoup de soi-même. C'est-à-dire que tout d'un coup, on arrête d'être dans un personnage, animateur télé, on sait très bien, on est aussi dans... Si, un ah peu. Non, ah, pas du tout. Quand je fais ce que bah, oui. J'essaye d'être, d'être tiens, le monsieur tiens, histoire. Tiens, pas vous, Karine. Karine, ah, vous êtes naturelle. Vous êtes dans la vie comme vous êtes. Voilà, là où je suis, je comprends ce que tu veux dire. Tu es pas à l'aise et tu fais des lancements. Oui, là, c'est ça. Et parce que la reine, oh, genre, question. Non, c'est sûr. Non, en revanche. Non, non, c'est vrai qu'il a. C'est vrai que c'est un rôle. Décalage, un rôle. Le côté un peu rôle. Alors que dans les villages préférés, par exemple, quand vous êtes en immersion totale dans les villages, là, c'est sûr que je suis. Oui, Stéphane. Tu n'as pas volé comme ça non plus. Non, je parle pas. Dans le village, j'avais la place des marchés. Attention, 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 elle est là, Karine, elle veille. Oh, moi, je sais qu'elle est là, mais moi, je les aime, les paysans. Oh. Mais je ne le vois pas lui faire. Bon, alors, où c'est-tu qu'elle est, la boulée? Hop, on y va. Mais Hélène, vous êtes la même dans la vie et sur scène? Vous êtes non. la même? Oh, tu non. trouves? Non, non je suis plus rigolote plus dans la vie. Je suis plus elle rigolote dans la vie. Elle est déjantée dans la vraie vie. Oui. Alors que sur scène, elle est un peu... Bah, je chante des chansons tristes quand même. Trucs, quand je chante des chansons d'amour, je vais pas me marrer. Hey tu vois, non. T'es très attentive à ton image. Disons que, en fait, je pense que je suis une rock'n'roll romantique. Dans la vie, avec mes amis, c'est vrai que je suis plutôt clown. Elle est plus folle. Ouais. Elle est plus folle. Ouais.
Stéphane, vous avez pris l'exemple de Virginie Efira. Virginie Efira, c'est la référence absolue, puisqu'il y en a d'autres qui essayent de faire de la comédie. On avait Alessandra Sublet la semaine dernière, il y a deux semaines, qui elle a osé arrêter complètement la télé. C'est-à-dire qu'elle tente le truc. Ah oui, c'est assez. Chapeau. Elle n'a pas besoin d'argent. C'est courageux. C'est qu'elle n'a pas besoin d'argent. Si, c'est pas vrai. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est bizarre. Alors, Karine. C'est pas vrai. Et Virginie aussi, elle a pris le risque de tout arrêter pour tenter le cinéma. Non, non, elles sont très courageuses. Stéphane, vous le feriez, vous? Il y a un certain nombre d'émissions que j'aime vraiment. Par exemple, le village préféré, le monument préféré, ou le concert du 14 juillet, le concert de Paris, ou même les secrets d'histoire. J'aime ça, ou avec Laurent Deutsch. Vous voyez, toutes ces émissions, elles me collent à la peau. Ça, secrets d'histoire, ça fait 17 ans qu'elle est à l'antenne. Et donc, oui, mais bon, si c'est vraiment votre rêve comédien, il faut, peut-être, prendre le risque. Alors, mais pourquoi on devrait ranger que dans une case? C'est vrai. Oui, on est le seul pays, on est le seul pays où on doit... Voilà, où on a un procès d'illégitimité. Mais parce que vous le dites vous-même, Stéphane, quand vous dites que les gens du cinéma, ou les gens qui font des fictions, vous méprisent parce que vous venez de la télé. Ah oui, vous le dites. C'est vrai, c'est vrai. Non, je ne sais pas s'ils nous méprisent. Vous avez dit, je sens que je viens de la télé, qu'on regarde. Il y a toujours des préjugés, il y a toujours un regard comme ça, un petit peu condescendant parce qu'on vient de la télévision et qu'on est forcément populaire. Mais... Et pourquoi c'est un préjugé, à votre avis? Je ne sais pas. Je crois que c'est une sorte de snobisme. La de télé, c'est populaire. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. La télé, c'est populaire en France. Paul de Saint-Sernin. Je trouve les critiques sur Stéphane un peu dures. Je trouve que vous êtes aussi bon comédien que Vizone et bon animateur. Ça commence. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Non, mais c'est vrai, même Virginie Efira, elle disait, quand elle a commencé le cinéma, qu'elle ressentait du mépris des réalisateurs qui disaient « la blonde de la télé, on ne va pas la faire tourner ». C'est sûr. Et aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Oui. C'est sans doute l'actrice la plus bankable aujourd'hui. Ah oui, que ça les fasse réfléchir, du coup. Ça serait bien. Elle est en colère. Elle a... Non, elle a raison. Non, non, mais vous avez raison. C'est la même chose pour les chanteurs, d'ailleurs. Je ne suis pas concernée. Donc, moi, au contraire, ce qu'on m'a proposé, je l'ai refusé. Parce que, justement, on me rangeait dans des cases. On me proposait de jouer mon propre rôle à chaque fois. Donc, ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas un challenge pour moi. Ouais. Et vous, Karine, cette espèce de mépris parce que vous êtes une animatrice populaire, vous l'avez déjà ressenti? Complètement. Moi, Télérama, France Inter, tout ça, c'est rare qu'on me... Mais il faut dire ce qui est vrai. Et voilà. Ça m'arrive plus, ça, maintenant. C'est vrai que quand on est populaire, je pense qu'il est de bon ton chez certains journalistes de nous mépriser, parce que comme si on faisait de la facilité, comme si, je sais pas... Mais je m'en fous complètement, en fait. Mais pas forcément les journalistes et tout ça, le milieu, même les acteurs, probablement. C'est une émission politique, ce que j'ai pris de ces gens-là. On va vous en parler tout à l'heure. Tirer à boulet rouge. Mais en tout cas, moi, je vous invite à France Inter. Vous êtes cordialement invité. D'ailleurs, on devait faire un jour Karine Le Marchand. Non, mais Karine Le Marchand, un jour, elle a dit, faut qu'on fasse une émission toutes les deux. Oui, c'est vrai, j'avais dit ça à Nicolas Taverneau, mon patron. Et vous avez fait quoi la fin de la phrase? Je serais la tête et les jambes, mais je rigolais. Quelles jambes? Voilà. Et quelles jambes? Mais quelle tête aussi. Non, mais les jambes de Karine Le Marchand, là, c'est les plus belles jambes de la France, en fait. Oh, de la télé de la France. Si. On va aller voir dans son documentaire dans un instant. Regarde-moi ça. Ça, c'est une photomontage. Ce sont mes jambes. On reste sur vous, Stéphane. C'est vrai que certaines séquences de Bellefond ont fait le buzz. Il y a eu un premier épisode il y a un an qui a très, très bien marché. Et certaines de vos scènes sont devenues virale. Oui. Le drone, on peut l'avoir. C'est dans Pour l'honneur d'un fils. C'est vrai qu'à un moment, je tue mon adversaire qui veut me tuer avec un drone. Et c'est vrai que ça, j'ai découvert ce qu'était un mème. Je ne savais pas. Alors expliquez aux gens qui savent. Alors, un mème, c'est un détournement, en quelque sorte, d'une image. Et ça tourne après, c'est viral. Chacun y met ce qu'il veut. Et ça vous fait marrer ou ça vous agace? Alors sur le moment, j'ai été plutôt surpris. Et en fait, c'est-à-dire au cœur de l'été, on a quand même fait plus de 4 millions de téléspectateurs. Grâce au même. Donc, grâce au même, j'ai trouvé ça formidable. Est-ce que tout le monde veut voir l'image? On l'a. Ça, je te dis, ça veut durer qu'une seconde. Dis-toi que tu vas retrouver ton fils. Tu sens tout, merde! Si vous voulez me tuer, faites le sale boulot vous-même. Il y a Daniel Craig qui a téléphoné. Il a dit, dans le prochain James Bond, je veux ça. Et moi, je m'excuse et je retire. Vous êtes bien meilleur comédien que Vizone et Tony. Elle
Elle est géniale. Pendant les répètes, on l'a passée 5 fois. Juste pour se marrer. J'ai fait la petite flaque de sang. Mais est-ce qu'au fond, votre passion pour la royauté, ça ne va pas aussi avec votre amour du théâtre, de la comédie? Au fond, les rois et les reines, ce n'est pas une grande comédie. Oui, c'est ça. Mais au fond, c'est exactement ça. Mais c'est la comédie de la vie aussi, parce qu'ils vivent en pleine lumière ce que chacun vit dans l'ombre, mais de façon... Autant pour moi. Il y a un côté... D'ailleurs, tous les drames, toutes les tragédies antiques nous racontent ces histoires-là. Bien sûr. Et donc, parce que, évidemment, c'est poussé au paroxysme. Ce qui m'a toujours... Moi, la distance que j'ai par rapport au sujet tel qu'il a été raconté par d'autres avant moi, c'est que ça m'amuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je ne suis pas premier... J'essaye de ne pas être premier degré. C'est que j'ai de la tendresse pour eux, mais j'essaie de garder une distance qui fait que... Comment décrypter ces gestes que l'on voit qui intéressent le public? Et donc essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Vous sortez deux livres sur les Windsor, sur la monarchie la plus connue, la plus célèbre, La reine qui aimait la France, ça c'est chez Plon, et Les secrets du château de Windsor que vous avez visité. Mais juste avant de parler de ces livres-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la coupe de Paris Match? Il parle de ce livre-là, Fin de règne, Où va la monarchie britannique, les derniers scandales révélés. Et on apprend, alors vous allez me dire si vous les avez appris ou pas, que la haine est maximale chez les Windsor, qu'apparemment Harry, personne ne l'avait prévenu de la détérioration de la santé de sa grand-mère, qu'il a appris la mort d'Elisabeth II à la télé, qu'au moment où on les a vus ensemble, là, sur cette image-là derrière, où pour l'enterrement ils étaient côte à côte, en fait c'était de la tension maximale, qu'ils ne se parlent pas, que Meghan et Kate ne s'adressent pas la parole depuis 4 ans, que Meghan ne veut plus jamais retourner en Angleterre, que quand Harry envoie des cadeaux aux enfants des autres, il ne remercie pas. Enfin, que c'est le... Mais c'est dans toutes les familles. Bienvenue dans toutes les familles. Mais voilà, j'ai deux cousines qui ne se parlent plus depuis je ne sais pas combien d'années, et c'est dans toutes les familles, ça. Pas dans la mienne. Non, mais... Tout ça n'est pas forcément faux. C'est commun, vous voulez dire, c'est que c'est commun. Oui, c'est commun. Mais à ce point, ils se détestent? Non, ils ne se détestent pas. Je crois que c'est une incompréhension. Ces deux frères qui étaient absolument soudés, l'un a fait le choix de s'inscrire dans la tradition, et l'autre a fait le choix d'être dans la révolte. Je pense qu'ils ont un vécu psychologique différent, ils ont des caractères différents. Des femmes différentes. Vous êtes team Kate ou team Meghan, vous? Moi, je suis plutôt team Kate, mais pour une raison... D'abord, parce qu'elle me fascine. Ce qui me gêne, j'adore Meghan, je la trouve sublime. Pas Karine. Karine. Ah, moi, je suis plus Meghan. Ça, oui. Ça m'étonne pas. C'est pas parce qu'elle est noire. Moi, je suis plus Eddie de Préto, moi. Elle est, Hélène, elle est Eddie de Préto. Elle est team Eddie de Préto. On peut être Eddie de Préto et Kate. Mais Eddie de Préto, qui est un petit mélange des deux frères, hein, quand même. Hein. Oui. Avec plus de cheveux, quand même. Ce que je trouve désagréable, c'est de cracher dans la soupe. D'abord, quand il faut la boire, ça ne la rend pas meilleure. Et ensuite, je trouve que ce garçon, il a 40 ans. Il va passer sa vie à se plaindre de son passé. C'est-à-dire qu'on a envie de lui dire... On a envie de lui dire, peut-être tu trouves un job. Voilà. Peut-être tu apprends... Peut-être tu fais quelque chose de ta vie. Parce que là, il a pris l'argent de Bah, ça fait combien de générations qu'il ne travaille pas? Personne n'a eu... Les autres, les cousins travaillent tous. C'est le seul qui ne veut pas travailler. Mais déjà, dans une famille normale, chacun a son prisme. Quand il y a une... Quand je parlais de mes deux cousines, quand il y a une dispute, chacune voit les choses à sa manière, etc. Elle se dispute. Donc, quand il y a le pouvoir qui intervient, quand il y a une image publique constante, je pense que ça n'aide pas. Et pourquoi, surtout, nous, le public, ça nous intéresse? Pourquoi ils ne peuvent pas laver leur linge sale en famille, tout simplement? Mais parce qu'ils ne peuvent pas. Bah, parce qu'ils peuvent pas. Oui, je sais. Parce qu'ils ont autant d'intimité que des poissons rouges dans un aquarium. Exactement, C'est ça la clé du truc. C'est quoi qu'ils fassent, tout se sait. Mais comment? Il y a un miroir, une vitre. C'est horrible. C'est la dictature de la transparence. Alors, un manière. Mot sur chacun des livres. Celui-là, Les secrets du château de Windsor, vous avez pu visiter. Vous avez pu le visiter. Toutes ces parties privées, c'est le plus grand château habité au monde. Et le plus vieux aussi, depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans. Vous avez tout visité. Même tout refait. Et lui aussi, tout n'est pas d'origine. C'est ça. Il a brûlé en 92. Et j'avoue, je me souviens avoir vu ces images. Non, mais c'est sûr. Non, mais les images en 92 étaient extrêmement choquantes. Tu te dis, mon Dieu, c'était avant Notre-Dame, donc évidemment. Et un monument comme ça, parce que c'est absolument incroyable, architecturalement, historiquement, etc. Et quand ça brûle, tu te dis, c'est foutu. Et en fait, non, c'est redevenu le Windsor d'avant. Oui, exactement. Et là, vous avez tout visité, même les chambres à coucher, même les salles de bain, même les toilettes. Pas les j'aurais aimé voir les chambres à coucher, mais quand on m'invite dans le salon, j'évite en général de demander le chemin de la chambre à coucher. J'ai été bien élevé. Elle l'aurait fait sans problème. Paul,
Ouais. Non, ça fait déjà 2 minutes qu'Hélène Segarra nous a pas parlé de ses deux cousines. Ça manque un peu. Un mot sur la reine. La reine qui est venue à France, c'était pour la visite, évidemment, du roi d'Angleterre en France. J'ai pensé que c'était bien de raconter et d'offrir, j'ai pu offrir au roi le livre-album, justement, de toutes les visites d'État de sa mère. C'est le pays qu'elle a le plus aimé, ouais, en dehors du Commonwealth, c'est la France. Vous dites juste un petit truc. Vous dites qu'elle nous adorait, et qu'elle disait, oh, ce peuple, c'est fou quand même, ce peuple qui a décapité son roi et qui m'adore. Oui. Et elle disait aussi, ils sont géniaux, ils sont gentils. Oui. Et là, je me suis dit, elle nous connaissait elle pas. Elle nous connaît mal. Alors, il y a eu un petit... La dernière fois que je l'ai vue, c'était à Paris en 2014. Et il y avait une foule rue du Faubourg Saint-Honoré devant l'ambassade britannique. Et je lui dis, mais c'est incroyable, la foule. Elle me dit, oui, chaque fois que je viens, les Français sont vraiment très gentils avec moi. Ils sont là à m'acclamer. Mais c'était vraiment une dame absolument charmante, une grand-mère comme on... Voilà, vraiment... Je connaissais bien. Karine n'est pas d'accord. Moi, j'ai des images formidables où on la voit dire à un des Beatles, vous faites quoi dans la vie? Ah, c'est vrai? Quand même, oui. Vous connaissez bien son peuple. Hein, dire... Non, c'est pas... Karine, vous ne trouvez pas qu'elle était formidable? C'est pas ça. Je la connais pas. j'avoue que je ne suis pas très, très sensible à la monarchie anglaise. En revanche, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, la reine d'Angleterre, jusqu'au Brexit, était la personne qui touchait le plus de Pâques de toute l'Europe. La PAC, c'est la politique agricole. C'était elle qui avait donc comme c'est une prime à l'hectare, qui était la plus grande, qui avait le plus de et terres. Et elle les prenait. Et elle touchait des, et elle prenait des centaines de millions d'euros de PAC. Je ne trouve pas ça tout à fait normal. En tout cas, mon cher Stéphane, la retraite, très peu pour vous. Vous avez passé un petit cap le 14 novembre dernier. On peut en parler ou oui, sans problème. C'est écoutez, le tout, c'est que ça fonctionne toujours. Et que je veux dire. Non, ça veut dire. Je pensais au cerveau. Non mais... Oui, il n'a pas que ses chemises qui sont bleues. On va voir si ça fonctionne toujours. Oui. Je vais vous faire une petite interview. C'est mieux à 60 ans ou à 30? Est-ce qu'on est meilleur animateur télé à 60 ans ou à 30 ans? On est plus naturel, il y a moins d'enjeux à 60 ans qu'à 30. Donc, on lâche prise davantage. On est mieux vacciné contre les critiques à 60 ans ou à 30? Ah, totalement à 60 ans, oui. C'est-à-dire, on garde la peau du rhinocéros, sensible à l'intérieur, mais dur à l'extérieur, oui. On est plus beau à 60 ans ou à 30, Stéphane Bern? Personnellement, je pense que je suis un peu comme une bouteille de bon vin. Je crois que je m'améliore avec le... Je me bonifie avec le temps. Ouais. C'est-à-dire, je pense que je fais un merveilleux vieillard. J'étais très laid à 20 ans, et je serais pas mal en vieillard. Enfin, ça vous empêchait pas à 30 ans de poser à poil, madame, monsieur. Là, c'est 40. Là, c'est 40. Là, c'est 40. Non, ça, c'est Vizorek. C'est vrai qu'il y a un petit truc. J'aimerais quand même dire que, d'abord, ce qui est important, ce sont les caniches royaux, mais surtout... Ses épaules. Non, bon, la musculature, pas trop. Mais en revanche, la coiffure de M. Vizorek et de Paul est directement inspirée par cette mode que j'ai lancée. Paul de Saint-Sernin, Alex Vizorek, vous remerciez Stéphane Bern pour votre coiffure. Ah, mais moi, de toute façon, dès que je parle de moi ou qu'on me rencontre dans la rue, on me dit, lui, c'est sûr, soit il a un château, soit Stéphane Bern a envie de le ken. Très jolie expression. Alors que, faut pas rêver, hein. Stéphane, tu confirmes? Oui. J'ai pas de château. Et je suis bien casé. Est-ce qu'on assume plus ses origines, ce qu'on est à 60 ans ou à 30? Je sais. Oui, peut-être on assume. Disons, à propos de ça, un jour, Bertrand Delanoë, que j'aimais beaucoup, et que j'aime il est pas toujours. Mort, hein. Non, je sais, mais qui était en fonction, que j'aime beaucoup. Bertrand m'avait dit, écoute, assume tout, parce que je suis un mélange de plein de choses, etc. Il me dit, assume tout. Et c'est vrai que c'est le moment de la bascule avant Canal où j'ai commencé à me débrider, à laisser pousser les cheveux, à déboutonner mon corset en quelque sorte. C'est vrai que quand Christophe m'a connu, j'étais corseté dans mais une sorte de... Il y a aussi une phrase que vous avez dit, qui m'a fait sursauter. Dans Libé, il y a 23 ans, en 2000, vous dites « Il y avait en moi une soif d'être admis et donc d'épouser tout. Alors sans doute ai-je voulu rejeter mes origines ?» Et est-ce que vous parlez de vos origines juives, notamment? C'est pas ça. J'ai toujours eu un problème parce que mon père m'a mis une telle pression quand j'étais gamin sur ça que ça m'a un peu dégoûté de la religion, je dois reconnaître. Donc c'est vrai que je suis plutôt athée. Je crois, ça me regarde que moi. Oui, ça vous regarde. Mais j'ai jamais voulu être
un porte-drapeau, un emblème pour qui que ce soit. Moi, j'assume tout, toutes les origines, tout ce que je suis, toutes les origines des autres aussi. J'aime voilà, je pense que je trouve terrible, je dis quelque chose qui peut-être fera écho en ce moment. Je pense qu'au nom de Dieu, on se tue beaucoup. Mmh. Et je pense que Dieu n'est qu'amour et qu'une religion est faite pour relier les gens. Et j'ai jamais vu autant de gens se détruire et se déchirer au nom de Dieu et se détester. Et donc, il y a un problème. Donc, je ne peux pas aimer ça. C'est pas possible. Et malheureusement, c'est pas d'hier. Oui, enfin, pour Dieu, les gens se sont entretués. Moi, j'aime les gens naturellement. Et ça continue. Je n'ai pas de méfiance naturelle. D'ailleurs, on projette toujours ce qu'on est. Je pense que l'autre est un autre soi-même. Mmh. Et donc, je vais vers l'autre en toute confiance. Est-ce qu'on a un plus gros égo à 60 ans ou à 30 ans ? Ça fait peur. On a beaucoup moins d'égo. On a un... Ça dépend qui ? On a... Je crois avoir moins d'égo. J'ai jamais eu beaucoup d'égo. Mais c'est Françoise Hardy, elle disait ça. Elle disait Stéphane Bern n'a aucun ego. Oui, c'est vrai. Ouais. Elle avait vu ça dans mon thème astral, en fait. Ouais. Elle m'a dit tu n'as aucun ego. Et c'est vrai que j'en ai pas tellement parce qu'on m'en a mis tellement dans la gueule. Ben, franchement, lisez ce qu'on écrivait sur moi dans les années 80. Qu'est-ce qu'on écrivait sur vous ? Mais des horreurs, tête à claque. Ça va, ça, tête à claque. Non, mais il y a eu pire, il y a eu pire. Dans les années 80, mais c'est vrai, je comprends, j'étais corseté, je voulais absolument... Dans Saga, par exemple, j'arrivais dans un suppositoire géant, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un truc... Vous cherchez la merde, mais peut-être, c'est la première fois. Oui. Je vous préviens. Qu'est-ce que c'est que cette vanne ? C'est la seule. Je trouvais excellente, moi, Léa. Pardon. Mais ce qui était étonnant, c'est que je voulais... Léa, je voulais absolument... Vous l'avez raison, c'est dans la phrase que vous citiez à l'instant. Je voulais absolument me faire accepter. Donc, je pensais... c'est incroyable, parce que les avocats n'ont pas les turpitudes de leurs clients et les médecins n'ont pas les pathologies de leurs patients. Mmh. Et donc, on me prêtait, moi, le côté coincé des gens dont je parlais. On sent que vous avez souffert. Je m'en suis pris plein figure. Alors, aujourd'hui, comprenez à 60, je m'en fiche. Vous me prenez Hélène, comme vous je suis, un truc à dire. Et voilà. Moi, je vais dire juste une chose pour que le grand public ne peut pas savoir, mais moi, je vais parler de l'intérieur de ce métier, c'est-à-dire que tous les gens qui ont travaillé avec Stéphane, et ce n'est pas mon cas, mais tous les gens que je connais qui ont travaillé avec lui, le dépeignent comme une des personnes les plus délicieuses de ce métier, et un des vrais plus gentils. Et ça, c'est rare dans ce métier. Parfois, quand on a un peu de pouvoir, quand on a autant d'années de notoriété et de pouvoir, les gens peuvent vite être méprisants ou irrespectueux envers les gens qui les entourent. Et ça n'a jamais été son cas, jamais, jamais. Et ça, ben, je trouve qu'on n'en parle pas. Et pour les gens qui se sont fait une fausse idée de lui, je voudrais dire que c'est quelqu'un qui a... Là, il est l'animateur préféré des Français. Oui, il n'est jamais passé pour un type odieux, Stéphane. Hein. Non, mais peut-être qu'on lui a collé des étiquettes qu'il ne méritait pas. Parce qu'il est simple, en vrai. Est-ce qu'on assume plus son homosexualité à 60 ans qu'à 30 ? Totalement, surtout quand on a la chance de vivre avec un mec sublime. Alors, Yori, on en parle tout de suite. Ah oui, on peut en parler, j'adore. Il est là d'ailleurs, il est dans les coulisses, il va nous faire un petit coucou. Il surveille que Paul ne soit pas en train de me... Voilà, c'est ça. Il est beau. Regardez-le, il vous envoie un petit cœur. Il est beau. Tu te rappelles qu'on en avait parlé à Venise ? C'est l'homme de votre vie, celui-là. Ça suffit, maintenant. Il faut le garder, celui-là. Celui-là, il est super. Il a tout pour lui. Ah ouais. Il est profondément gentil. C'est quelqu'un de profondément de bien. Les chiens ont l'air moins heureux. Non, mais il y a un truc formidable. Toutes les photos, vous les faites avec les chiens ou pas ? Oui, je voudrais savoir. Mais ça, c'était pour soutenir un copain qui écrivait son livre. Et voilà. Mais quand même, les parents. Non, parce que vous avez des phrases terribles, quand même. Vous dites, avec vos parents, ça a été difficile, avec votre mère, notamment. Vous dites, elle préférait me voir mort plutôt qu'homosexuel. Wow. Un jour, elle m'a dit, je préfère te savoir mort qu'homosexuel. Je lui ai dit, ça va être difficile. Non, mais c'est vrai. Non, parce qu'on rigole ce soir, mais... Non, mais je sais, c'est pour ça que je me suis battu. Bah, c'est pour ça, et je sais, j'ai toujours écouté beaucoup avec attention ce que disait Edith Preto, parce que j'ai vécu des trucs que vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut vivre quand on est, à la fois de façon intrafamiliale et au-delà. Des gens vous font des trucs. Je me souviens, un jour, je suis dans un château en train de faire une interview,
Et un type m'amène, le propriétaire m'amène tous les bouquins de Roger Perfitte en me disant « ça, c'est bon pour les PD ». Comme ça, quoi. C'est genre, c'est la votre poubelle. Mère, votre mère, je te préférerais mort qu'homosexuel. Ouais, la peau. Ouais, on en dit des bêtises. Hein. Vous lui avez pardonné? Oui, je pardonne. J'ai tout pardonné à mes parents. Ils m'ont donné une très bonne éducation. Je les ai aimés. On aime toujours son bourreau aussi. Et ils ont été très. C'est difficile de parler de ses parents, mais ma mère était une femme qui avait beaucoup souffert, qui était malade, qui est morte. Elle avait 53 ans. Wow. Donc j'ai perdu ma mère très jeune. Elle me disait, mais tu serais pas un peu gay, toi? Je dis, pourquoi un peu? Eddie, donc, Eddie, c'est une autre elle époque, savait, les mères savent, Bien sûr. Le tout, c'est que moi, ensuite, j'ai eu envie de me battre pour aider tous les gamins qui eux, sont rejetés. Moi, j'appartenais à la petite bourgeoisie. Donc on avait les moyens de s'en sortir, je veux dire, intellectuellement, en me disant, moi, 17 ans, je suis parti, vous voyez. J'étais faire mes études, ça marchait. Je suis rentré après une fois à la maison. Ma mère m'a commencé à me faire une remarque. J'ai dit, c'est bon, au revoir. Et je suis parti. Mais j'ai fait des... Mais il y en a qui ne peuvent pas. C'est pour eux que je me bats. C'est pour eux que vous posez avec votre mec en une de match. Exactement. Je vous donne un exemple. Quand j'ai posé en une de match, il y a un secrétaire d'État qui, après, m'a dit qu'il n'assumait pas son homosexualité, qui m'a dit, j'ai posé... C'est la première fois, hein, qu'il y a eu un Paris match avec deux garçons. Il y avait eu, je crois, Amélie Mauresmo qui l'avait fait, mais la première fois que deux garçons posaient une de match. Il m'a dit, j'ai posé le Paris match sur la table de mes parents. Ça nous a permis, ça m'a permis de leur dire. Moi, j'entends souvent le côté un peu... il nous fait chier avec son homosexualité, c'est toujours les mêmes histoires. Mais je crois que c'est important que toutes ces histoires soient visibles. Et encore aujourd'hui, il y a des millions de familles où ce n'est pas totalement accepté. C'est même... les jeunes sont mis dehors. Ils sont mis dehors, oui. Ça existe énormément. Moi, dans ma famille, ça a été compliqué également. Donc, de pouvoir être visible, de pouvoir en parler sans forcément... que ça soit très naturel et qu'on puisse en parler comme ça en société, ben je pense que ça nous aide tous et toutes. Il y a encore du boulot. J'ai un copain médecin qui a plus de 50 ans, qui est homosexuel, qui l'a toujours caché à sa mère. Et sa mère âgée, un jour, il n'en pouvait plus et il est venu avec son ami lui présenter, etc. Et elle l'a pris à part pour dire, mais tu viens avec un garçon, je ne comprends pas. C'était pareil, des bourgeois, tranquilles, machin. Et il lui dit, ben oui, mais je suis plus de 50 ans, hein, je suis homo. Mais qu'est-ce qu'on va dire à nos amis? Tu vois, c'est d'un autre siècle. Et il y en a plein comme ça. Et vous dites les gens visibles, mais même quand on est visible comme vous, on peut se prendre un cyberharcèlement, parce que lui, c'est pris quelque chose de terrible. Oui, ça a été son cas. Vous avez battu et vous avez porté plainte et ils ont été condamnés. Mais vous avez des insultes à la minute, quoi. Oui, ça existe dans tous les milieux. On parle de la bourgeoisie, mais on parle aussi d'autres milieux sociaux, plus modestes. À tous les niveaux, ça existe. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de parler fort et d'amener jusqu'en justice, parfois quand ça va trop loin dans la haine. Le sexe, c'est mieux à 60 ans ou à 30? C'est pas mal à 60. Mais ce que je recommande, il faut vivre avec quelqu'un de plus jeune que soi. C'est quoi la limite? Alex Vizorek, il aime que les femmes plus âgées. Ah oui? Moi, je pense que c'est mieux dans le sens inverse, donc c'est bien qu'il y ait deux équipes. Non, mais il y a des limites. Moi, je suis comme Stéphane. C'est une boutade. Karine, faut vivre à des gens plus jeunes. Sois franche. Alors, vous voulez vraiment que je sois franche? Moi, j'aime bien les hommes de mon âge, mais ils ont quand même des petits problèmes d'érection. Alors, c'est pas forcément un problème d'âge. Hein. Alors si, c'est lié quand même. Ah non? Ah bah, excuse-moi. Eh bah, je m'excuse bien aussi. C'est moins dur à 50 qu'à 20. Ah non? Mais ça dépend de chacun. Enfin, il y a des mecs de 30 ans, ils sont tout mous. Mais ça dépend des gens, exactement. Pas avec moi. J'en demandais pas tant. Hein. Vraiment, j'en demandais pas tant. Non, mais en fond, à 60 ans... Non, j'exagère. Il y a plein de trucs sympas. C'est qu'au fond, on a juste... On se dit... Je ne suis pas là pour faire... J'ai eu le malheur de perdre mon frère l'année dernière qui a été à un mois de ses 60 ans. Wow. Et je me dis aujourd'hui que tout est bonus. Ouais, il faut vivre. Et donc, faut vivre, quoi. J'ai perdu trop de gens autour de moi. J'ai vraiment envie de profiter de la vie, mais en profiter en ayant un sens, en faisant des choses pour les autres.
que ça a un sens, qu'on ne soit pas juste sur Terre sans avoir à payer un loyer, juste pour par égoïsme. Moi, je suis là, j'essaye de faire des choses. C'est pour ça que je me défends le patrimoine. C'est pour ça que j'essaye de... Chaque fois qu'on m'appelle pour une cause caritative ou humanitaire, je dis toujours oui. Je pense que c'est ça qui est important dans la vie. Merci. Vous restez avec nous. Le photocall, très rapidement. On vous met les photos. Quelles questions vous poseriez aux personnalités qui sont là? Elisabeth II. Je dirais, vous avez aimé François Mitterrand, Barack Obama et Nelson Mandela qui vous l'ont bien rendu. Au fond, vous étiez peut-être une reine de gauche. Ah, dites donc. Emmanuel Macron. Vous serez à la retraite à 49 ans. Qu'est-ce que vous allez faire jusqu'à 67, puisque faut qu'on bosse jusqu'à 67. Le roi, Charles III. Ah, est-ce que vous avez regardé la sixième saison de The Crown? Elisabeth Borne. Elisabeth Borne. Ah, vous avez dit aux filles, dépassez-vous. Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression que vous les dépassez vous aussi, les bornes? Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Elle met des éoliennes partout. Enfin, on en parlera. Ah, c'est pour ça. Je suis pour les Brigitte Macron. Je dirais, au fond, est-ce qu'on est plus entendu quand on est épouse de président ou quand on est prof de lettres aujourd'hui? Et alors, votre réponse? Prof de lettres. Je pense prof de lettres, oui. Sandrine Rousseau. Ça fait quoi d'avoir... d'avoir un nom si célèbre? Ah, c'est sympa. Nagui. Ça fait quoi d'avoir un nom si célèbre? Est-ce que je pourrais prendre ta place d'animateur préféré des Français? On verra. Napoléon. On valide ou pas, Scott? Napoléon, je lui poserai la question. Bon, OK, vous avez fait des choses utiles qui ont encore cours aujourd'hui, mais franchement, vous ne regrettez pas les plusieurs millions de morts sur les champs de bataille et d'avoir rétabli l'esclavage? Anne Hidalgo. Est-ce que vous m'emmènerez la prochaine fois? Je rêve d'aller à Tahiti. Vous rêvez d'aller à Tahiti? Moi, j'adorerais voilà. Passer. Voilà. On peut la féliciter au passage pour sa prochaine mesure où elle va mettre le périphérique parisien à 50 km/h. Ça vous plaît pas, ça? Hein? Ça vous plaît pas? Non. Ça plaît à personne. On est déjà à 50 à l'heure. Plus vite on roule rarement plus que 50 km/h sur le périphérique. C'est la journée. La journée. Ouais. Karine Le Marchand, vous lui poseriez quoi comme question? Est-ce que vraiment, pour toi aussi, le bonheur est dans le pré? Le bonheur est en soi. Votre frère Armand, qui est mort l'année dernière. OK. C'est dur. C'est dur, hein. Est-ce que quand même tu étais fière de ton petit frère? Oh. Oh. Et votre père? Vous avez écrit un très beau texte sur Instagram à la mort de votre père et de votre frère. Et votre père, si vous aviez une question à lui poser? Je n'ai pas de question parce que je lui ai toutes posées. Je me souviens de la mort de ma mère. Je suis allé le voir et j'ai voulu lui dire à propos de ma vie. Et il m'a dit, parce qu'il y a, je vous raconte l'histoire, un mec essayait de me faire chanter, parce que évidemment j'étais dans le placard, comme dirait l'autre. Et mon père m'a dit, écoute, il n'y a rien qu'on puisse me dire sur toi que je ne sache déjà. Et puis, après, il m'a dit, il est allé à la télé chez Mireille Dumas, et elle lui a dit, qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité de votre fils? Il a dit, écoutez, nous n'en parlons déjà pas à table. C'est pas sur un plateau de télé que je vais en parler. Mais avant de mourir, il m'a dit... Il m'a dit, ton frère m'a dit que tu avais rencontré, donc en l'occurrence Yori, il m'a dit, c'est bien, il ne faut pas que tu sois seule. Oh. Donc j'ai trouvé que c'était comme une bénédiction avant qu'il parte. C'est très joli. Les deux dernières, bah justement, Yori Bayer. Quelle question je lui poserais? Mais comment tu fais pour me supporter? Et c'est vrai que vous appelez 5 fois par heure? Vous l'appelez 5 fois par heure? On s'appelle tout le temps, toute la journée, oui. Et le dernier, c'est Stéphane Bern. Vous lui poseriez quoi comme question? Est-ce que tu as été fidèle à tes rêves d'enfant? Bellefond, épisode inédit, ce mardi sur France 3. Les secrets du château de Windsor et la reine qui aimait la France. Stéphane Bern, vous restez avec nous. Est-ce que vous connaissez la comtesse de Pompadour? Voilà. Oh yeah! Je ne passe que sur le côté. Bonsoir, chère comtesse. On est très honorés par votre présence ce soir. Mais bonsoir, oyez à vous, dame Léa. Merci beaucoup pour cette invitation que vous me faites.
petite très ravissante cour, dites donc. Ah, hein, on a une belle cour ce soir. Ah, vous arrivez tout droit du passé, c'est ça? Racontez-nous. Ah, mais non, que nenni. Ah bon? Non, que nenni, que nenni. Non, 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 je viens du futur, moi. Ah, pardon. Mais moi, je viens d'un futur où, grâce à Damoiseau Stéphane, la monarchie a enfin été restaurée. Je ne serai pas pour grand-chose. Oh, merci, quelle joie de vous rencontrer, parce que je n'ai pu observer les doux traits de votre visage qu'à travers les livres d'histoire. Vous étiez à la tête de cette fameuse révolution royaliste 2027. Non. Ouais. Non. Il ne sait pas quoi. Non, c'est pas lui. On est en quelle année? On est en 2023. Ah, pardon, 2023. Ah, j'ai pas le droit. Non, je dis non. J'ai le droit de rien dire. On n'a pas le droit, quand on arrive du futur, de dévoiler des trucs dans le passé, ça fout le bazar. Ah, mais d'abord, hop. Hop. Vous teniez tout particulièrement à remercier Stéphane Bern. Pourquoi? Ah, parce que grâce à vous, j'ai pu réintégrer mes appartements du château de la Roche-Guyon. J'en suis fort aise. Parce qu'avant, c'est vrai que bon, je vivais dans un lugubre 140 mètres carrés, avenue Montaigne. Bon, c'est vous dire si les conditions étaient rudimentaires. Oui, c'est dur. Ah, je ne le souhaite à pas. Vraiment à personne. Alors? Et alors, bon, c'est vrai que je dois vous dire qu'en tant que présidente de votre fan club, je suis également maîtresse de cérémonie du 150e anniversaire de la Révolution royaliste, voyez-vous. Et à cette occasion, j'avais un petit mot à vous faire passer. Voilà. Chevalier Stéphane, d'où je viens, tu es partout. Dans chaque boutique de souvenirs, sur les mugs, les touristes s'arrachent ton sourire. Ton nom résonne dans l'odeur des livres les plus anciens, qui ne bernent personne, mais nous protège, tels des gardiens. Du Luxembourg à la capitale gauloise, il n'y a qu'un pas, celui du goût des câlins briochés de ta grand-mère, Sarah. Jonglant de micros de radio en poste de télévision, avec tes chemises bleues, tu réconcilies les générations. Passionné, tu fais revivre l'histoire à travers la tienne, comptant celle des monarques et des maîtresses autrichiennes. C'est vrai que c'était pratique, cette histoire de reine et de roi. Pas de frais de campagne, ni même besoin de recompter les voix. Les morts sont plus faciles à aimer que les vivants, disais-tu. Comme si par leur absence, ils cherchaient à obtenir leur salut. Alors on leur parle, on les questionne, à l'abri des regards et du jugement. On se confie, on les engueule. C'est nul sans eux, c'est plus comme avant. On se demande souvent l'empreinte que l'on va laisser. Celle d'un maître, d'un mari ou d'un collège restauré. Toi, avec tes yeux gorgés de malice, tu graves nos mémoires. À l'encre d'une fleur de lys, le passé devient espoir. Nous ne sommes pas du même siècle, j'appartiens au futur. Mais par pitié, Stéphane, viens hanter mes nuits, je te le jure. Dans les douves de l'oubli, jamais ton fantôme ne sombrera. Car parmi les nôtres, le véritable secret d'histoire, c'est toi. Oh là 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 là! Le selfie quand même! Je file, dame Léa, nous faisons un selfie absolument. Messieurs. Un petit selfie pour les copines! Oh là 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 là! Elles vont être contentes, hein! Oh, c'est magnifique! Merci, jeune damoiseau, merci! Bravo merci. Et merci, Charlotte! Merci. Au revoir, merci! Eh, c'est joli, hein! Elle est belle, hein! Et après la comtesse de Pompadour, on va passer à la reine des agriculteurs. Et ouais, la reine des prime time d'M6. Vous présentez la 18e saison de La France a un incroyable talent. Oui. Chaque mardi soir, avec Hélène Segarra notamment. Décidément, mardi soir, je vous le dis tout de suite, notre spécial océan, on a un prime sur France 2. Cher Christophe, on a face à nous Berne et Karine Le Marchand. Je ne sais pas quoi vous dire. Au niveau de la concurrence. Surtout une émission sur l'environnement. En général, ça cartonne. En fait, vous venez de conclure aussi la 18e saison de L'Amour est dans le Pré. Il va y en avoir combien, à votre avis? 25, 30 saisons, combien? Oh bah, tant que ça marche, il y en aura, hein, je pense. Avec ou sans moi, mais il y en aura. Ah bah, c'est pas possible sans vous. Oh bah, si, ça existait sans moi avant. Ce fut sans moi, oui, je suis la troisième animatrice. Oui, d'accord, mais enfin, vous l'avez écrasé de votre présence. Il y a vraiment un truc, non, sérieusement, il y a vraiment un truc entre vous et les agriculteurs et le monde agricole. Il y a vraiment quelque chose, pour le coup, on ne peut pas regarder le documentaire dont on va parler ce soir sans se dire, bien sûr, il y a la télé, il y a la notoriété, il y a l'image de Karine Le Marchand, tout ce que vous voulez, mais là, elle y croit vraiment, elle est sincèrement engagée
auprès des agriculteurs. Ce n'est pas du bluff, ce n'est pas pour son image. Si on vous avait dit, à 20 ans, tu seras l'ambassadrice de la paysannerie en France. Oh, mais j'aurais rigolé parce que je suis hyper urbaine et je ne fais pas partie de ces gens qui allaient l'été chez leurs grands-parents chercher les œufs sous les poules et tout ça. Je suis vraiment urbaine et quand j'ai commencé L'amour est dans le pré, je ne connaissais rien. D'ailleurs, ça les faisait beaucoup rire, ils se moquaient de moi. Et aujourd'hui, vous savez conduire un tracteur ? Ah oui. Le final de L'amour dans le pré, c'était lundi dernier. Oui. Toujours le succès, 4 millions de téléspectateurs. Mais en termes d'amour, c'était un peu la loose. Hein, ah oui, année. Complètement. Donc, on puisse dire, c'est que vous avez même parlé d'une saison catastrophique. Un petit couple de rien du tout que vous avez formé. Qu'est-ce que vous avez plus la main, là ? Ah bah, c'est pas moi qui fais les choses, là, quand même. Alors, bah, si, c'est vous la plus grande marieuse. Non. Alors, à la fin de la semaine de vie à la ferme, il y avait 8 couples. J'ai lu des trucs. Mmh. Donc, moi, quand je suis arrivée au bilan, je pensais qu'il y avait des couples. Parce que nous, on tourne évidemment avant que ce soit diffusé. Donc, moi, je suis arrivée au bilan en me disant, je vais rencontrer une telle, ça va être génial. J'ai envie de la rencontrer. Ils sont tellement mignons ensemble. Et là, patatras. En 2 mois, tout a explosé. Et pourquoi ? Ben, il y a des raisons différentes. Il y en a qui n'étaient pas prêts finalement à rencontrer l'amour. C'est une chose de souffrir de solitude. C'en est une autre d'être capable de faire de la place à quelqu'un. En tout cas, vous restez la plus grande marieuse de France et de Navarre. Mesdames, messieurs, regardez les chiffres. 30 mariages et 84 bébés grâce à l'amour et dans le pré. Ça s'applaudit quand même. En tout cas, vous allez encore mettre à l'honneur des agriculteurs dans un documentaire exceptionnel que j'ai vu et que vous animez et que vous produisez. C'est ce lundi soir à 21h sur M6. Vous racontez à travers 6 familles d'agriculteurs françaises toute l'histoire de la paysannerie depuis le XXe siècle. Franchement, je vous le dis honnêtement, j'ai appris plein de choses. Vous racontez la difficulté de ce métier, comment ils triment pour maintenir leur ferme à flot, comment ils bossent nuit et jour, sans vacances, sans rien, les salaires de misère, les maladies causées à cause des pesticides. Mais vous racontez aussi des belles histoires, leur passion pour la terre. C'est vraiment un documentaire qui vous tient à cœur. On regarde. C'est vraiment un beau métier. En moins de 100 ans, ce monde a été bouleversé. J'ai connu, on n'avait pas de toilettes. À l'époque, c'était hyper moderne pour eux. Ils passaient du cheval à ça. Tu touches combien de retraites ? Je touche 800 euros. Pour une vie entière de travail. Le consommateur, faut qu'il sache que s'il est en train de manger, c'est grâce à nous. Je suis mais riche d'un super métier. Depuis tout petit, on me disait, Clément, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je disais, comme papa. Ouais, ça, c'est beau, ça. Karine, vous dites, j'espère qu'avec ce documentaire, les Français estimeront un peu plus nos agriculteurs. Pourquoi vous trouvez qu'ils ne sont pas assez estimés ? Ils ne sont pas considérés. Ce sont des gens qui, on le voit à travers le documentaire depuis l'entre-deux-guerres, sont des gens à qui le gouvernement français, l'Europe, etc., leur demandent sans cesse de faire des efforts pour nourrir, en l'occurrence les Français, des efforts pour acheter de plus en plus de terres, s'endetter, pour baisser leurs prix. Tout d'un coup, on les paye maintenant. On est dans une situation où on paye les gens pour jeter le fruit de leur travail, ça n'a pas de sens. Il y a même une agricultrice qui vous dit, on se sent méprisé. Mais c'est vrai. On a l'impression qu'on nous traite de bouseux, de cutéreux. Oui. Parce que c'est vrai qu'on les a accusés d'être réticents au changement, parce qu'ils travaillaient beaucoup en autarcie. Ils vivent souvent aussi entre plusieurs générations parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'il faut se dire que les terres agricoles sont non constructibles, sauf pour l'agriculteur. Donc quand le petit papy, la petite mamie arrive à l'âge de la retraite et passe sa ferme à ses enfants, ils n'ont pas mis de côté pour partir. Donc, il y a une cohabitation forcée intergénérationnelle qui est très lourde à porter. Ouais. Ça, il y a notamment une séquence où le fils de 54 ans vit avec sa mère. Il n'en peut plus, il a envie de la tuer. Ah bah, il n'en peut non, plus. Non, mais je dis pardon à la maman, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'on la regarde. Oui, parce que si elle nous regarde et qu'elle l'apprend ce soir... Non, je dis pardon, madame, mais c'est une vrai façon de parler. Il se passe quelque chose dans les yeux de ce fils. Bah d'ailleurs, c'est très peut-être qu'elle ne regarde pas ce soir. C'est peut-être le problème. C'est peut-être ou alors qu'elle est. Maintenant, elle va se cloîtrer. Non, mais c'est très dur, bien la sûr. Parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs. Donc, on les accuse de polluer la terre comme si c'était un grand plaisir. Mais on va voir dans ce documentaire qu'en fait, on allait dans les fermes en leur disant voilà, vous allez mettre ce produit-là, puis là, vous allez mettre celui-là. Parce que là, il a plu. Alors, s'il a plu, vous allez avoir des champignons. Vous allez mettre ça. Puis alors après, l'herbicide, vous allez mettre ça. Sans mode d'emploi, sans protection. Ils faisaient ça à main nue. Et ils ont été des pions du système depuis le départ. Mais en les fait. Femmes, elles vous racontaient qu'elles n'ont pas de statut pendant des années, qu'elles gagnent... Il y a Huguette qui vous raconte qu'après avoir bossé toute sa vie dans la ferme, elle gagne 800 euros de Les femmes n'avaient pas de numéro de sécurité sociale. Pas de numéro de sécurité sociale. Et elles étaient moins assurées que les tracteurs. Oui.
Oui, oui, c'est ce que vous dites. Et les femmes étaient moins assurées que les traiteurs. Le congé maternité date d'il y a 10 ans. Elle vous dit d'ailleurs, on était des bouche-trous. C'est-à-dire qu'on travaillait comme des chiennes et on n'avait pas d'existence. Absolument. Les choses ont changé, mais enfin, ont changé en 2010, vous dites. Voilà, en 2010 et aujourd'hui encore. Alors, il faut faire la distinction entre les femmes d'agriculteurs et les dirigeants d'exploitation agricole. Il y a quand même 28% des fermes qui sont tenues par des femmes, mais qui ont monté l'entreprise. Et ce n'est pas la même chose que d'être femme d'agriculteur. Ou à l'époque, elles avaient des vachers, etc., qui vivaient aussi avec elles dans la ferme. Elles faisaient à manger pour tout le monde. Ouais. Le soir, elles faisaient la comptabilité. Elles s'occupaient des enfants. Elles allaient quand même, évidemment, s'occuper des champs pour rien. Puis, il y a aussi, les maladies. Les agriculteurs sont plus nombreux que le reste de la population à être atteints de cancer. C'est le cas de Samuel qui a perdu son fils de 12 ans. Séquence très touchante. À 70 ans, j'ai eu un problème de santé. On m'a annoncé un cancer quand même. Donc, on m'a dit de faire des rayons, 8 semaines de rayons, un traitement aux hormones. Et ça, c'est à cause des pesticides. Enfin, ce qui est sûr, c'est que, avec du recul, 20 ans en arrière, quand on parlait de cancer, ça touchait des gens éloignés. Enfin, je disais, tiens, il est décédé. Mais là, c'est vrai que ça pèse quand même. On commence à. Enfin, moi, j'ai eu un fils décédé d'un cancer. Hein. Il avait 12 ans. Ça a duré un an et demi. Et on ne l'a jamais laissé une seule fois à l'hôpital tout seul. Donc eux, dans la famille, il y a le père qui a un cancer, il y a eu évidemment le fils de Samuel et un autre neveu. Ça fait beaucoup. Là, c'est tout récent. Monsanto, qui a été racheté par Bayer, ils viennent d'être condamnés à verser 1,5 milliard à 3 personnes. Et il y a 40 000 procès qui attendent. Ouais. 40 000. 40 000 procès. Et on n'a toujours pas pris de décision quant au... Ah, si, ça a été, on a continué. L'Europe veut le glyphosate. Quand vous voyez que l'Europe vient de permettre le glyphosate encore pendant 10 ans, l'autorisation du glyphosate... C'est compliqué, parce qu'il y a des études qui sont très contradictoires. C'est compliqué parce qu'on n'a pas remplacé, c'est un herbicide. C'est ça, voilà. C'est un herbicide, le glyphosate. C'est vrai, quand il y a des grosses entreprises comme la SNCF, elles sont obligées de traiter les voies ferrées. C'est un gros lobby. Mais je ne comprends pas que la recherche devrait investir. Merci. C'est-à-dire avec tout l'argent qu'ils ont. Mais, et puis là, ils vont se faire du pognon. Parce que s'ils arrivent à faire un herbicide vert, écolo, mais vous en parlez de ça, Emmanuel Macron? Bah, moi, je ne l'appelle pas, moi. Excusez-moi, je n'ai pas son numéro. Vous êtes la porte-parole. Je n'ai pas le numéro. Vas-y, toi. Vas-y, toi. Vous n'avez pas le numéro, vous? Si, lui, il a le numéro. Chef je me suis pas chef d'échec. La première minute, mais c'est vrai qu'il y a... Je comprends, c'est-à-dire qu'on considère... Regardez, est-ce que vous trouvez normal, moi qui vis à la campagne maintenant, les dotations pour un citoyen à la campagne, c'est moitié moins que quand on vit dans une ville. Dotation de quoi ? Dotation par habitant. Vous savez qu'on donne aux collectivités territoriales une dotation par citoyen. Un jour, je suis allé voir le ministre qui venait dans le Perche, Jacques Mézard. Je lui dis, comment expliquez-vous, monsieur le ministre, qu'en quittant Paris, en arrivant dans le Perche, mon cerveau a diminué de moitié, puisque je veux vous donner moitié moins. J'ai pas de téléphone parce qu'on est en zone blanche. Ouais. On n'a pas de service public. Lui, il y va, il les appelle. Il appelle Macron tout le temps, il l'engueule tout le temps. Vous engueulez les ministres, tout le monde ? Tout le monde. J'en peux plus, parce qu'on nous traite parce que c'est vrai qu'on est des bougeux, on vit à la campagne, on n'a rien. On est des bougeux, on est des bougeux. Non, mais c'est sérieux. Là, je rigole pas quand il s'agit de ça. Je rigole pas, là. Parce que, franchement... Non, mais tu parles à un gars qui est à la campagne depuis toujours. Et t'étais pas très loin, dans l'ordre. Je suis un peu éloigné, maintenant. Voilà. Mais je vous assure, mais c'est terrible, on a l'impression qu'on leur parle d'un autre monde. Quand ils viennent, il y a évidemment les voitures, les trucs, les machins, les gendarmes, ils voient rien de la réalité du terrain, de ce que vivent les paysans. Karine, on a eu quand même un professeur d'université, enfin même plusieurs ministres d'éducation nationale. Pourquoi à ce jour, on n'a jamais eu un agriculteur ministre de l'agriculture? C'est ça que vous souhaiteriez? Il faut. Non mais... Il faudrait. Il faut que les gens soient concernés. Votre appel à Emmanuel Macron, la caméra, on y va, Karine Le Marchand. Non, mais ce mépris-là, c'est pour ça qu'ils le ressentent. Mmh. Puisque nous sommes dans un pays où on ne valorise que l'intellect, que les études. Mmh. Alors que la France, elle vit des travailleurs, elle vit des agriculteurs, des commerçants, des PME. Et c'est si les agriculteurs ne renversent pas leurs tonnes de lait ou de tomates pour montrer qu'ils sont dans la merde, on ne les écoute pas. Alors, il y a des actions citoyennes. Par exemple, on achète des choses de proximité. Voilà. C'est-à-dire, moi, ce que
je trouve formidable, c'est que la viande... voilà, il y a des AMAP, il y a par exemple des éleveurs qui nous apportent... On prend des colis, des choses, on sait d'où ça vient, c'est... Il faut la transparence aussi. Il faut la transparence, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent dans les supermarchés, dans les hypermarchés, et il y a un vrai sujet. Nous, on a essayé de parler aux centrales d'achat, ils ont refusé de nous parler. Il y a un vrai sujet avec les agriculteurs eux-mêmes. Donc on a réuni... Moi, j'ai rencontré un producteur de lait qui, le père, a laissé l'exploitation. L'exploitation. Il est obligé d'employer son fils parce qu'il n'a pas les moyens d'employer un employé avec les charges, etc. Et aujourd'hui, ils vendent le litre, je crois, 30 centimes. La grande distribution. Et quand son père lui a laissé, c'était un franc. Bien sûr. Il y a 20 ans. Ben, un franc, c'est 30 centimes d'aujourd'hui. Donc en 25 ans, ça n'a pas augmenté, sauf l'électricité, l'essence, le gaz. Le prix, enfin, c'est un truc de ouf. Non, mais il faut la transparence. Aujourd'hui, un producteur d'endive, il va vendre son endive entre 90 et 1,50 € le kilo. D'accord, il a fait monter ses endives pendant un an et les prix en plus de l'électricité ont explosé et voilà, et ça coûte de plus en plus cher. C'est de plus en plus cher aussi maintenant dans les supermarchés, c'est à 4,50 €. Il faut que les consommateurs sachent combien on a acheté à l'agriculteur. Et là, il y aura une prise de conscience. Et croyez-moi, on va mettre la pression. Ah, mais jamais ça n'est pas normal. Vous allez mettre la pression. Jamais, jamais. Ça, c'est une question de volonté politique. Oui, mais jamais un supermarché va afficher sa marge. L'État peut imposer la transparence. Ah oui. Est-ce que vous savez sur les viandes? Oui. Karine, vous avez parlé avec des ministres? C'est pas Emmanuel Macron. Vous avez parlé avec Bruno Le Maire, avec le ministre de l'Agriculture. Vous en parlez? Vous écoutez? Je vais appeler Bruno. Mais cette émission-là, elle est beaucoup plus politique que de. S'il y a une pression des consommateurs, si les gens se rendent compte en fait de la réalité. Ça changera les choses. Quand on achète de la vache limousine dans les boucheries, on l'achète un peu plus cher parce que c'est de la limousine, très bien, c'est élevé, tué en France. C'est une limousine. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que la vache, oui, elle est née dans le Limousin, mais elle a été engraissée en Italie par des produits qu'on ne maîtrise pas, elle revient être abattue dans le Limousin et nous, on paye le prix fort de l'aide de la limousine. Il faut que pour les élevages, on sache du début de la naissance à la mort où a été cette bestiole. Elle connaît le sujet. En Italie, hein. Moi, c'est ça. Franchement, je vais vous dire honnêtement, c'est sincère. Je trouve que vous avez... Ça fait combien de temps qu'elle le fait? Mais non, 14 non. Ans. Ben ça quand fait même, 14 ans. Mais, il y a l'amour est dans le pré, il y a ce documentaire, il y a ce que vous portez, le discours que vous portez, qui est quelque chose de différent. C'est ça. Et parce qu'on peut tomber amoureux. Pour rien qu'on lui a remis le mérite agricole. Eh bien oui. Mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé quand il y avait le confinement? Les agriculteurs ont dit, mais on ne peut pas s'en sortir, il n'y a pas de bras. Il y a eu plein d'étudiants qui sont venus. Et franchement, le lien entre les urbains et le rural, il se fait aussi comme ça. Moi, quand j'étais petite, on faisait les vendanges et on était super contents, on n'était pas payés, mais on faisait la fête, on travaillait dur. C'était super sympa. Les gamins sont venus. Ils ont aidé les agriculteurs à accueillir leurs fruits et leurs légumes. Maintenant que c'est terminé, on revient encore en arrière. Et comment voulez-vous qu'un petit maraîcher, il a besoin de bras? Quand il va récolter pendant l'été, dans un temps court, il a besoin de bras. Et là, les charges sociales lui empêchent de le faire. Et en même temps, on dit avec la PAC, prime à l'hectare. Plus vous avez d'hectares, plus vous allez avoir d'argent. Les parents pauvres de la PAC, c'est les éleveurs et les maraîchers. Mmh. Et en même temps, on dit, oui, mais nous, on veut bien manger, on veut pas de pesticides, on veut du bio. Ben, comment tu fais? Comment tu fais? Équation impossible telle que c'est fait. Donc, tu achètes du bio qui vient de l'étranger? C'est ce qui nous pend au nez. Et la vache limousine, là, c'est vrai cette histoire d'elle part en Italie, elle est engraissée là-bas. Mais bien sûr. C'est vrai? Mais bien sûr, c'est vrai, on ne le sait pas. Et elle part en quoi? Non mais... En train. Son bilan carbone est très mauvais. En voiture, stressée, etc. Bien sûr. Limousine. Elle part à l'engraissement, bien sûr. Vote documentaire. Sauf celles qui sont dehors, que tu vois. Karine Le Marchand, vote documentaire, c'est lundi soir, c'est à 21h sur M6. Vous restez avec nous, on va passer au Bureau des légendes. Le Bureau des légendes, on vérifie si les rumeurs qui courent sur vous sont vraies ou fausses. Vous répondez vite. Est-ce que c'est vrai que votre rêve, c'était pas animatrice télé, mais chanteuse? Oui, c'est vrai. Je suis venue à Paris pour chanter. J'étais 10 ans au conservatoire. Et pourquoi vous n'avez pas persévéré? Bah parce que j'ai fait de la radio. Et puis le directeur de la radio m'a dit, mais plutôt que de faire de la radio, venez faire de la télé. Quand il m'a vu. Hélène, vous l'avez déjà entendu chanter? Un petit peu, ouais. Elle a un petit truc? Oui, enfin, franchement, elle chante juste. Ouais, elle déjà, chante c'est juste, pas mal. Elle a l'oreille, quoi. Elle a l'oreille et même elle a le rythme. Est-ce que c'est vrai que Le Marchand, c'est pas votre vrai nom de famille? Oui, absolument. Je m'appelle Mfayo Courera. Vous aussi, c'est pas votre vrai nom? Moi, j'ai enlevé des lettres, mais c'est Wieczorek. Wieczorek, c'est polonais. Mmh. Et Segarra, c'est votre vrai nom de famille? Pas du tout. C'est quoi votre vrai nom? Rizzo, je suis italienne par mon père. Mmh. Et Berne? Pourquoi vous changez tous vos noms? Moi, on n'a pas voulu. Ma première émission de télé, c'était en direct. Moi, je voulais garder mon nom, je trouvais bien mon nom. Et le directeur des programmes est descendu, parce qu'on tape les noms, on fait des essais. Il m'a dit, oh, c'est pas possible, Mfayo Courera, mais personne, non, non, non. Comment non, tu dis? Ben voilà. Donc j'ai pris le nom de mon mec de l'époque. C'est vrai que votre fille vous appelle mon colonel?
Oh, maintenant, elle me dit pire, mais... Elle vous dit quoi, maintenant? Je ne sais plus... C'est dur. C'est dur d'être maman? Ah, c'est dur d'être maman d'une fille. L'adolescence. Ouais. Elle a quel âge? 21 ans. Et elle est dure encore? C'est fini l'adolescence? Dure, ah oui, ça dure. Attends. Elle vous en veut beaucoup? Non, en même temps, on est très fusionnels, ouais. Donc ça pète. Non, on est très proches, mais justement. C'est les deux, ouais. C'est vrai qu'à l'école, Karine Le Marchand, à l'école maternelle, vous vous faisiez traiter de sale chinoise. Ah, c'est arrivé une fois, j'avais 3 ans, et je l'ai défigurée. Non, c'est très intéressant. Pour moi, ça a été très fondateur, cet épisode. Donc, j'étais petite. Ce pauvre gamin, il savait rien. Il m'a traité de sale chinoise et je suis arrivée vers lui. Et j'ai tout griffé comme ça. Je me doutais que ce n'était pas gentil. Sa mère est arrivée, a porté plainte en disant oui, qu'est-ce que c'est que cette petite... À 3 ans ? Ouais, sa mère voulait porter plainte. Et la directrice de l'école lui a dit, il va rester chez lui 2 jours pour réfléchir. Ça n'est pas normal ce qu'il a fait lui et pas elle. Et ça... Eh ben, ça a été fondateur pour moi de me dire tu dois pas te laisser traiter, tu dois te battre, tu dois la ramener un peu dans la vie. Et d'ailleurs, vous dites donner la parole aux minorités est un sujet auquel je suis très sensible, sans doute à cause de ma couleur de peau. Oui, sans doute. Je viens d'une famille de blonds aux yeux bleus et j'étais pas élevée avec mon père et je faisais tâche un peu sur les photos. Explique aux gens. Oui. Parce que si tu dis je viens d'une famille de blonds aux yeux bleus, les gens se posent des questions. Elle a grandi avec son père. Explique. Parce que maman est blonde aux yeux bleus, mon père est noir. Mon père est parti quand j'avais 1 an et demi. Et donc, j'étais élevée avec ma famille de ma maman. Et donc, évidemment, j'étais la seule comme ça avec ma sœur. Et à Nancy, on n'était pas beaucoup non plus. Donc, c'est vrai que quand j'arrive quelque part, on me voyait arriver. Donc, je savais que j'étais différente, mais je n'en ai pas souffert spécialement. J'étais très aimée, il n'y avait pas de problème. Mais je savais que ce que je faisais était remarqué. Et je savais aussi que ma facilité à accepter qui j'étais n'était pas donnée à tout le monde. Et en fait, je me dis que cette force que j'ai en moi, je ne peux pas vous dire d'où elle vient. Je sais que d'autres... Du départ de votre père, peut-être. Peut-être, oui, mais il y en a d'autres qui se sont écroulés pour ça aussi. Ta maman, c'est une sacrée nana aussi, ah ouais, ta maman, ouais, je trouve. Ah bah c'est, oui, sans doute. En tout cas, j'étais très aimée. Et tout ce qui est secret, parole, et tout ça, parce que j'avais des secrets de famille en plus dans ma famille. Mais tout ça, j'ai compris très tôt qu'en fait, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à exprimer ce qui leur faisait honte, tout ce qui leur faisait peur. Et moi, moi j'avais cette force-là de leur faire dire et de les mettre en avant. Et j'aime ça. Et c'est ça que vous aimez aujourd'hui. J'ai toujours aimé ça. Ma mère, elle me dit, c'est quand même un comble que tu sois payée pour ce que tu fais toujours naturel. Comment c'est possible que la plus grande marieuse de la télé soit célibataire? Alors... Elle est trop difficile. C'est pas facile. Je vais pas me plaindre. Je pourrais être avec quelqu'un. Mais d'abord, fréquenter l'amour et les gens de l'amour et dans le pré, c'est revenir aux fondamentaux de l'amour. Quand vous avez des agriculteurs qui vous disent « Moi, ce dont je rêve, c'est de prendre le café le matin avec quelqu'un qui me dit oh, « T'as bien dormi, mon chéri? Comment ça va? Passe une belle journée. » Et que le soir, ils se promènent main dans la main, des choses simples. Je me dis que nous, en ville, on est très dénaturés. Après... Vous dites quand même, quand je rentre chez moi, je n'arrive plus à me satisfaire d'un homme qui se gratte les coucougnettes en me demandant ce qu'on va manger ce soir. Vrai, ça a augmenté mon niveau d'exigence. Et c'est vrai aussi. T'as dit coucougnettes? J'ai dit coucougnettes. Eh bien. Ouais. C'est vrai aussi. Un homme moderne, il aurait préparé le dîner. Ouais, oui. Je ne l'ai pas connu, tu vois. Il y en a. Vous n'avez jamais rencontré un homme qui vous préparait le dîner, quand même? J'ai jamais vécu avec des hommes modernes qui me préparaient le dîner. Mmh. Après, ça fait une heure qu'on se connaît, donc. C'est un peu court. Alex, je savais qu'à un moment. Mais vous savez, une Française sur deux a plus de 50 ans. Les femmes et c'est qui tant ont... mieux. C'est tant mieux pour Alex. C'est drôle. Une femme, quand elle divorce et quand elle n'est plus avec le père de ses enfants, elle a d'autres exigences. Je sais, parce qu'elle sait ce qu'il attend le soir, elle sait la pression qu'il y a sur ses épaules. Quand on rentre du boulot, Karine, quand on a les enfants à élever, on veut quelqu'un qui soit un supplément d'âme. Karine, sur Instagram, vous avez écrit un message pour vos 55 ans. Je vais vous demander de le lire parce que moi, je l'ai lu. Oui. 55 ans, ça y est, une Française sur deux a plus de 50 ans, et pourtant on dirait que vieillir est encore un gros mot pour les femmes. Qui nous représente dignement? Qui nous dit qu'on est belle sans le « encore » qui va avec?
Qui nous dit de profiter de notre liberté alors que nos enfants s'envolent, plutôt que de nous parler du manque cruel du nid vide? Qui nous dit que des vacances sans tampons hygiéniques ni serviettes, c'est le pied? Qui nous dit que vivre seul n'est pas une fatalité, mais l'occasion de mieux se connaître, de se réparer, d'explorer le monde qui nous intéresse sans rendre de compte à quelqu'un qui ne nous mérite pas? Qui nous dit que la sororité est sans limite et que la jalousie typiquement féminine est une invention masculine pour nous opposer? Mes sœurs, je vous le dis, vieillir est un cadeau, vivre est un art. Let's go la vie, on ne lâche rien. Bravo. C'est pas mal, hein ? C'est vrai ? Vieillir est un cadeau. Oui, vieillir est un cadeau. Vieillir est un cadeau. Vieillir est un cadeau. Il y a tellement de gens qui meurent. Bien sûr, parce que vous tapez des jeunes. Non, mais pas des jeunes d'abord, hein, mais et qui a juste 20 ans de moins. Non, simplement là où Karine. Là où Karine a raison, c'est que d'abord on y est arrivé. C'est pas donné à tout le monde d'arriver. C'est de vieillir. Et je crois que il y a tellement de gens qui sont morts avant notre âge. En plus de ça, on est d'une génération où on a arraché notre liberté. Moi, je suis née en 68. Ma mère, elle faisait brûler ses soutiens-gorge. Ce que je fais aujourd'hui, je suis là sur un plateau de télévision, je suis métisse, j'ai 55 ans, je produis des émissions qui ont du sens, je l'espère, j'essaye de le faire, j'arrive à porter une voix pour des agriculteurs. C'est un fait, on écoute plus une animatrice télé que des agriculteurs sur ce qui les concerne, mais malheureusement, il faut s'en servir en fait. On est là, on a des amitiés féminines très fortes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, j'attends la cerise sur le gâteau. Un mec comme moi. Mais pas le gâteau. Christophe de Chavannes. Non, mais l'homme ne sera pas le gâteau, l'homme n'est pas le gâteau des femmes. Non, la cerise, l'homme, la cerise. La cerise. La cerise. L'homme, c'est la cerise. Ah, mais moi, ça me va, moi. Mais c'est enfin, vrai. La paire. C'est le compagnon de vie. C'est le compagnon de vie qui va nous dire je suis fière de ce que tu fais. Oh là là. Je ne veux pas t'écraser. Mais non. Je ne compte pas sur toi pour me surélever. Mais pas du tout. Ça va pas aller. Pas du tout. Et en plus, j'aime les voyages, moi aussi. Et en plus, j'ai un petit peu les moyens d'aller dans des jolis endroits. Mais on en a marre des mâles dominants qui sont sur Instagram. Quelle bande avec de des cons, nanas. Hein. Excités par des jeunettes de. Connard. C'est pathétique. Je suis d'accord avec toi. C'est des merdes. Non, mais vous avez raison. Mais là, non, mais, non, mais là, vous avez deux hommes. Tout à l'heure, non, mais moi, je suis sérieux. Non, de Chavannes moi, et Alex Vizorek, ils les aiment pas, les jeunes. Oh, elle me connaît depuis longtemps. T'as aimé les cinglés jeunes. Hein. Ah oui, allez, mais maintenant, je les aime moins jeunes. Eh ben, très bien. Tu vois mais non, mais c'est quand même mieux d'avoir un alter ego le soir quand tu rentres, d'échanger avec quelqu'un qu'on estime. Non, moi, j'ai eu 35 ans avec des trentenaires, c'est fini. Voilà. C'est fini. C'est pour ça. C'est fini. Ce que je disais tout à l'heure, je rigolais pour l'histoire de l'érection. C'est pas forcément vrai. Ah, tu vois. Mais non, c'est pas forcément vrai. En plus, mais c'est facile à prouver. C'est un sujet qui est jamais abordé quand même. Oui, oui, oui. Ben moi, je peux en parler quand tu veux. Bon, alors, mais quand on a 50 ans ou plus, on est accompli. C'est-à-dire, on ne se cherche plus. Ouais. On sait qui on est. On a fait notre liberté. Et la sororité, on la met pas en avant. Les femmes s'aiment en fait entre elles. Les femmes s'entraident. Oui, elles peuvent être aussi jalouses. Elles peuvent être jalouses, mais ça, c'est pas des nanas qu'on aime bien. Non. Tant pis, elles le seront toute leur vie. On s'en fout d'elles. Non, mais elles sont très malheureuses. Et à 50 ans, en général, elles ont la bouche qui fait comme ça. Ça a raison. Mais vous avez raison. Vous avez raison, Karine. Mais 50 ans, vous avez raison. Ah, ben oui. On les aime pas, celles-là. C'est vrai, en plus. Eddie, l'amour, c'est difficile. À 55 ans, c'est difficile à 30 ans aussi. Oui, dans tous les âges, il y a des effets qui... Carrément, ça change. C'est pour dire qu'on va en parler de votre album tout à l'heure, parce que vous parlez de l'amour sur 12 chansons. Okay. Mais Eddie, tu crois au grand amour, toi? Ah oui. Oui. Ah oui. Mais peu importe, merci. J'ai pas les... Mais je suis grave amoureux de Karine, en vrai. Ah non, j'ai déjà deux aussi. Ah bah, attends, t'es gentil, t'es gentil. Je la regarde. Tu choisis ton camp. T'es gentil. Toi, c'est Stéphane Bern, tu les emmerdes pas avec Karine Le Marchand. Mais c'est vrai, déjà assez le merdier pour nous. Non, en tout cas, je vous énormément, je vous adore, je voulais vous le dire. Ah bah moi aussi. Que c'est là. Vous voyez, j'ai fait un coup ce soir, je suis contente. Allez, avant de finir et avant de retrouver dans un instant, enfin dans quelques minutes, on va retrouver Philippe Cavrivière pour son Phil Paul. Juste un mot, je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser une question sur votre meilleur ami quand même. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir? Votre meilleur ami, c'est pas lui. C'est Stéphane Plaza qui est accusé de violence. Ah, il a bien raison. Non. Ça, c'est bande organisée. Ouais. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser une question sur Stéphane Plaza, accusé de violence et de menaces par 3 ex-compagnes. Vous continuez à le soutenir publiquement? C'est mon ami. Il y a une justice. Le temps de la justice émotionnelle n'est pas le même temps que la justice. Et je soutiens évidemment les femmes quand elles sont vraiment maltraitées. C'est important que la justice aille plus vite pour ce genre d'affaires, pour les femmes qui ont subi des maltraitances. Et c'est important
que la justice aille plus vite pour les personnes qui estiment qu'elles sont accusées à tort. C'est toujours votre meilleur ami. Oh, j'en ai plein de mes amis quand même. Hein. Ouais, il fait partie de mes meilleurs amis. Ouais, c'est oui. Laurent aussi. Oh, oui. Et oui, j'en ai, bah, j'en ai plusieurs ouais. quand même de ses meilleurs et amis. Et moi aussi. Mais par vous, Hélène. Ma chérie. Vous oubliez pas Hélène. Non, mais c'est vrai. Mais c'est, bah, l'amitié, pour moi, c'est une valeur très importante. Rien à voir avec la taille. Non. Ah bah non, mais chez mes amis, non. Non, mais je dis ça comme ça. Hein. C'était une vanne. C'est vrai. Famille de paysans, 1000 ans d'histoire, lundi soir, à 21h10 sur M6. Karine Lemarchand, vous restez avec nous. Et c'est à vous, Hélène Ségara. L'une des plus belles voix de la chanson française. En chiffres, ça donne Hélène Ségara, 25 ans de carrière, 10 albums studio, 8 millions de disques vendus, Madame Ségara. Rien que ça, 8 millions. Mais Hélène Ségara, c'est aussi l'idole absolue d'Angèle. On a retrouvé cette séquence à la RTBF chez vous en Belgique, Alex. Oui, on la connaît. Où vous faites une surprise, vous débarquez chez sa prof de piano. Il y a trois gens qui t'aiment. Mais non. On dirait une petite fille. On dirait une petite fille. Dan et Dan. Tu ne les entends pas. Vous aussi, Eddie de Préto, vous aimez Hélène Ségara ou vous êtes Laurie Forever? Parce j'ai que vous êtes fan de Laurie. Quand j'étais plus jeune, notamment dans Notre-Dame de Paris. Ouais. C'est le premier spectacle où ma mère m'a amené au c'est Palais vrai des Congrès. Tu me l'as jamais dit. Non. Parce que moi, j'ai été le voir sur scène. Et à Eddie ouais. On va l'écouter tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est vous, Hélène. Ouais. On va se faire kiffer. Les tubes d'Hélène Ségara. Non, on va se faire kiffer. Il y a trop de gens qui t'aiment. Il y a trop de gens qui t'aiment. Et tu ne me vois pas. Karine, elle connaît par cœur. Je ne sortirai pas indemne, cet amour. Va chanter un peu. Ok, mais va chanter là, ouais. Il y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Tu vois, elle est juste. Elle chante. Elle, tu l'aimes. Je sais que tu pourrais. L'amour est un soleil. Ça nous gêne toujours, tu sais. On adore. Vive au Perleil. Elle peut chanter, Karine. Oui, c'est... Vive au Perleil. Et enfin... N'oublie jamais rien. On vit avec. On a plusieurs vies. Oh, il a gagné. C'est la condition de cœur. Quand l'amour s'enfuit, il n'y a jamais de vainqueur. Hélène Ségara, mesdames, messieurs. Hélène Ségara. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France pour le spectacle, les comédies musicales, le concert. Oui, je suis guest. Je chante 3 chansons. Je suis arrivée pour en chanter 1, puis 2, puis 3. Et puis maintenant, on s'amuse comme... Ça fait du bien, en fait. Moi, j'aime les aventures collectives. Pourquoi ça fait du bien, les comédies musicales ? Pourquoi ça fait du bien ? Je pense que c'est dans notre ADN, un peu, d'avoir ces grandes mélodies qui ont ponctué souvent. Moi, j'ai été beaucoup chantée dans des mariages, dans des... pour des naissances, pour des... Et là, quand même, quand on passe des 10 commandements à Notre-Dame de Paris, à Roméo et Juliette avec les interprètes, les gens revivent des souvenirs. Ça fait partie de... C'est une forme de nostalgie heureuse, quoi. Oui. Vous dites ça réveille même chez le plus bourru des hommes le côté midinette. Ouais. Les comédies musicales. Oui, parce que souvent, je vois... Et d'ailleurs, dans mes concerts aussi, hein, je vois des mecs qui sont là parce qu'ils accompagnent leurs femmes, parce que j'ai un public de filles. Et puis d'un seul coup, bah, je vois que les mecs, ils commencent à rentrer dans le truc, quoi. Et je leur dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive à toi ? On va faire un blind test dans un instant, parce que je suis sûre que Stéphane Bern est très bon en blind test comédie musicale, j'y suis sûre.
Vous serez au Dôme de Paris le 15 mars prochain, puis vous êtes en tournée partout en France avec toute cette colonie de vacances, comme vous dites. Moi, parallèlement, je prépare aussi d'autres projets. Mais et vous préparez aussi, vous fêtez à Salle Pleyel le 21 décembre 2024. Il y a quand même une grande soirée où vous fêtez vos 25 ans. Alors, mes 25 ans, ils sont passés. Vous avez 25 ans. Non, mes 25 ans de carrière, c'était avant. Effectivement, mais vous en êtes à 28. Ouais, j'étais à l'hôpital quand il y a eu mes 25 ans et je me suis bien bagarrée et je me suis dit que je les fêterais quand même. Alors, c'est 25 ans et demi, comme disent les petits-enfants. Voilà, voilà. Mais oui, ce n'est pas la date exacte, je le dis. Vous étiez à l'hôpital parce que c'est vrai que vous avez parlé, et ça, on avait Florent Pagny la semaine dernière, et je trouve ça toujours très bien quand les artistes ou les gens célèbres parlent de leur maladie. Vous avez parlé de votre maladie. C'est difficile de ne pas en parler. Là, vous avez montré des images où je suis avec Angèle. Et elle, vraiment, sa prod m'a supplié d'aller lui faire cette surprise parce qu'il disait qu'on ne pouvait pas le faire. Mais moi, là, j'étais super malade à ce moment-là. J'étais bouffie par la cortisone. Effectivement, quand on est une personne publique comme moi et qu'on est sous le regard des gens, on voit des changements. Et moi, je reçois des messages sur les réseaux où on me, quand même, où on peut me dire, et je devrais les poster, je pense, où on me dit comment vous osez justifier vos chirurgies ratées en disant que vous êtes malade. Connard. Vraiment, je reçois ça chez moi. Moi, j'ai une question. Comment ça va? Je suis stable, je vis avec un traitement. Pour les yeux, hein, pour tout le monde. Ouais, je vis avec un traitement. Vous avez une maladie, quoi? On ne sait pas. Ça atypique. Fait. Fou, hein. Ouais, elle connaît le dossier, mais je. Disons qu'on a pu sauver. On a pu sauver un de mes yeux, mais pas. J'ai perdu un œil quand je me suis complètement. Il y a un de vos deux yeux où vous ne voyez rien. Mais là, vous me voyez bien. Alors, je vous vois, et grâce à ce traitement qui m'a stabilisée, mais j'ai failli être dans le noir. Et heureusement, elle vous voit, mais que la moitié. Heureusement pour vous, hein, parce que l'autre, ça va pas. Je trouve que ma perception a changé, justement. Vous voyez plus les gens, l'âme des gens? Ça, j'ai toujours voulu la voir. Elle est très mystique. Ouais, j'ai toujours voulu la voir, mais disons que je pense que j'ai d'autres combats que certaines choses que j'entends autour de moi. Je ne m'attache pas aux choses négatives, je m'attache à la force de vie. Elle est pleine de force de vie. D'ailleurs, il y a eu des moments où j'étais en télé. Moi, j'ai fait des télés, les gens ne se doutaient pas, en ayant eu des interventions la veille. Tout. Et elle c'était direct dans l'œil sans anesthésie. Ouais. Et elle me tenait, quoi. Elle me disait, attends, je vais te donner de l'énergie. Et moi, je n'affichais que mon sourire parce que je pense que les gens vivent des choses bien plus dramatiques que moi. Et c'est toujours comme ça que j'ai relativisé. Et justement, quand vous avez fait Incroyable Talent, il y a eu ce moment très fort. Il faudrait qu'on le revoie. Où il y a trois soignantes, chirurgiennes. Ouais, qui ont fait un groupe. Qui ont fait un groupe, qui sont venues chanter. Ah ouais. Et là, c'était là. Ah ouais. Et c'était magnifique. On revoit. Ouais. Unstoppable today, I'm unstoppable today. J'ai passé quasiment les deux dernières années à l'hôpital et c'est grâce à des femmes comme vous que j'ai gardé le sourire tout le temps. Vous êtes des anges pour moi et je voudrais qu'on soit conscient du besoin qu'on a. Notre société réalise à quel point on a besoin de vous. Vous savez très bien que je vais appuyer là-dessus. Pas parce que vous êtes mes soignantes ou les soignantes de tous les gens qui souffrent, mais parce qu'on a besoin de vous et surtout parce que vous chantez comme des divas. Et c'est dingue d'avoir ces voix-là. Karine, ça vous fait encore pleurer. Ah oui. Karine, regarde-la. Mais c'est vrai que c'est extrêmement touchant. Mais dites donc, on vous les fait pleurer les deux, là. Ils c'est sont le bleu, c'est le bleu, c'est le rang. On parle des paysans. Vous n'avez pas de cœur. Ça m'a foutu les poils, moi. Non, mais vraiment. Mais je fais des blagues quand je me sens ému, donc je suis désolée. On les applaudissait pendant le confinement, comme les agriculteurs et tout ça, c'est déjà terminé. C'est ce que j'allais dire. J'allais faire le lien. Et on les a abandonnés. J'ai dit, on parle des agriculteurs, mais qu'est-ce qu'on est en France si demain on n'a plus nos agriculteurs, notre système de santé? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et on est en train de scier cette branche sur laquelle on s'est assis, mais en fait, on se sent impuissant. Mais là, ça fait tout de suite un message positif de femmes qui ont choisi à la fois de combiner leur passion et leur sacerdoce, parce que je vous le dis, j'ai deux cousines. Paul, c'est pour toi, ça. Elle est drôle en plus. Elle est très drôle.
J'ai deux cousines qui sont infirmières. Elles ne s'entendent pas, mais elles s'entendent bien. Tu peux pas donner leur prénom, pas saquer, mais elles sont... J'aimerais qu'elles se réconcilient, Françoise et Céline. Elles se reconnaîtront, là. Françoise et Céline. Paul de Saint-Sernin. Et quand les gens, je vais dire un truc très sérieux, parce que j'étais en contact avec eux cette semaine, quand les gens sont débordés dans les hôpitaux pour enfants notamment, il y a des visiteurs qui viennent prendre le relais, des gens qui viennent faire des blagues, qui viennent faire des clowns. Et je fais un gros coucou à la maison d'Adrien qui s'occupe des enfants bien, tous les merci. Jours. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils sont ouf, c'est un taf de malade. Hélène Ségara, on les salue. Hélène Ségara, juste quelques mots sur votre parcours, parce que vous avez quand même un parcours incroyable que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, absolument. Une guerrière. Vous êtes née, oui, vous êtes une guerrière. Vous êtes née Hélène Rizzo, fille d'un immigré italien et d'une mère... Et des paysans, paysans. Et d'une mère arménienne. Ouais. Vous avez grandi à la Seyne-sur-Mer, milieu très modeste. Vos parents divorcent vite et votre mère se remarie avec un homme dont vous dites qu'il est machiste et autoritaire, invivable selon vous, et qui va créer la méfiance chez vous. La méfiance des hommes, c'est cet homme-là qui va vous la donner. Je sais que c'est douloureux pour ma maman quand j'en parle et Dieu sait que ma maman, c'est mon trésor. En fait, j'ai toujours édulcoré les choses. Pour résumer, c'est pas machiste, autoritaire, c'est alcoolique surtout. Puisqu'il est mort à 40 ans d'une cirrhose du foie. Donc, ça pose le décor. Et c'est vrai qu'il arrive dans ma vie et que je crois que ma force m'est venue de là, parce que j'avais pas le choix, c'était marche ou crève, tout simplement. Alors les gens me voient toujours comme une gentille, je suis très douce, c'est vrai que je suis très douce dans la vie, mais par contre, je sais rendre les coups qu'on me donne. C'est vrai ? Oui. Parce que j'ai pas le choix. Pas. À 15 ans, je suis partie de chez moi. À 15 ans, vous partez de chez vous, vous demandez d'être autonomisée j'ai à 16. J'ai demandé à être placée dans un foyer, moi, pour ne plus vivre avec cet homme. Alcoolodépendant. À 15 ans, vous demandez ça. Très vite, vous comprenez que votre voix est votre atout. Vous commencez à chanter dans les bars, mais vous galérez. Mm-hmm. Ça ne marche pas. Vous dites, j'ai voulu mourir, me suicider à cette époque. En plus, vous avez très vite un bébé non, à 18 c'est, ans. Je ne savais surtout pas pourquoi j'étais là. C'est-à-dire, je me disais, à quoi bon, à quoi je sers. Mais on a vraiment tous un parcours. Enfin, je connais à peu près ces invités, à part vous. Mais ouais, moi, je suis vraiment une saloperie. Et cette lucidité, vous honore. Non, c'est vrai que, en fait, je suis sûre qu'on a tous quand même nos petits chaos dans nos parcours, mais que c'est ce qui nous a donné justement la force. Vous l'avez quand vous montez à Paris avec votre bébé, toute jeune, et là, vous chantez, vous habitez un grenier à Clamart avec votre bébé, début, c'est vrai, un grenier. Ensuite, un 15 mètres carrés place de Clichy, et vous dites, je ressentais le mépris partout où j'allais. J'avais pas les codes. J'étais mal habillée, j'avais pas d'argent, je vivais dans 15 mètres carrés avec mon fils, à côté d'un restaurant éthiopien qui nous faisait manger très souvent et qui est devenu le QG de mes fans aujourd'hui, parce que cet homme m'a tellement aidée. Jusqu'à la rencontre qui va changer votre vie. Oui, mon producteur. Orlando. Là, il vous voit et il vous dit, on va changer tout. Ok, bébé, tu es habillée quand même. J'ai cru qu'il te manque la boule de cristal. C'est-à-dire qu'il vous a dit, tu as tout de... Venant de lui, c'est quand même drôle. Il vous a dit, tu as trop de tout. C'est-à-dire comme si Je me cachais sous du maquillage. Mais j'adore le maquillage. J'aimerais ça toute ma vie parce que justement, j'avais pas le droit de me maquiller quand j'étais jeune. Je me cachais... Trop grassouillette, les cheveux trop frisés. Enfin, tout, rien n'allait. Il vous a repimpé. Des trucs bêtes, tes sourcils pas comme ça, tes cheveux pas comme ça, mais je n'y connaissais rien parce que j'étais d'une famille très 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 modeste et on parlait des paysans, mon grand-père c'était un paysan et on m'a pas appris à me pimper dans les champs d'oliviers. Oh t'es mignonne. Ah ouais ça c'était trop frisé là. Trop frisé, ouais, vraiment. Et le succès arrive, il y aura le premier album, gros carton, Notre-Dame de Paris ensuite, Notre-Dame de Paris que vous ne deviez pas faire, ça devait être la chanteuse israélienne Noah. Mais elle a fait l'album, mais moi, j'étais en pourparlers avec Andrea Bocelli pour ce duo. Et entre-temps, donc, j'ai dit non à Notre-Dame, parce que... Et en plus, je ne me sentais pas du tout assez d'aplomb pour jouer Esmeralda. Ah non, alors que vous dites Esmeralda, c'est moi. Oui, c'est moi, mais en fait, je crois que j'ai jamais bâti ma carrière sur la provocation. Et tenir ce rôle à l'époque de femme dont tous les hommes étaient amoureux, etc., j'étais pas prête, tout simplement. Paul de Saint-Sernin, sur ça. Est-ce que je peux redemander à la régie la photo de vous et Andrea Bocelli? Je te vois arriver, mais à mille parce que vous tenez la main et je me demande si c'est pas contagieux le truc aux yeux. Non, je sais pas. Alors moi, je trouve qu'on peut rire de tout. Alors, si vous permettez, je vais vous dire quelque chose. Après ce duo, on m'a proposé un duo avec Ray Charles.
figure. Laissez-moi la figure. Et écoutez bien. Quand la demande est arrivée, Orlando m'a dit, ma chérie, ça n'est pas possible. Parce que sinon, tu comprends, on va t'appeler la canne blanche. Il est hyper drôle. Les comédies musicales, le concert en tournée dans toute la France et au Dôme de Paris. Et un album de duo. Et un album de duo. Ah, ouais. Avec Amadou et Mariam. Ah, bah, vous n'avez rien dit alors. Ah bon, vous n'avez rien dit. Un album de duo, dit. Justement, de mes succès avec des gens de la nouvelle génération. Ah bah, génial. Et d'ailleurs, tu es le bienvenu. Alors. Et il oh là là, obligé là, Hélène Segarra. Allez, le blind test, comédie musicale, tout le monde joue. Je vais tous vous filmer, je vous dis tout de suite. Avant, Léa, est-ce qu'on ne peut pas changer le mot blind test? Le test, allez. Le jeu, allez, c'est parti. Le test. Creed. Oh, please. You're the one that I want. Ooh, 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 honey. Belle. Ah, bah, non, mais alors, j'ai l'aide, c'est grave, vous jouez pas. Bah, non. Ah, mais c'est sa chanson. Belle. Belle. Oui. Belle, Notre-Dame de Paris. Hélène Segarra, vous êtes exclue. Les rois du monde. Les rois du monde. Les rois du monde. Hélène Segarra triche, moi je ne veux pas continuer. Pas du tout. Les rois du monde, Roméo et Juliette. Je viens de le lire. Allez, ma préférée. Quand tout le monde dort tranquille. Bah oui, Starmania. Quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville. Balavoine. Trop on chante. C'est haut, hein. C'est Balavoine, là. Ouais. Ça fait rire les passants. Et quand ils voient du sang sur le linge rasoir, à la veille, comme un éclair dans le brouillard, quand on arrive en ville. L'envie d'aimer. Ah, oui. Non, mais on sait que tu sais. On sait que tu sais. Ah, c'est Gimme, Gimme. Ouais. Ouais. Gimme, Gimme, Gimme a man after midnight. Gimme, 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 Gimme. Allez, la dernière. Flash. Ah bah, Flash Dance, mais oui. Deux notes. Impatient. Ouais, elle est forte, hein. Elle est trop forte. J'ai fait un claquage. Les comédies musicales, elles sont bonnes, les comédies musicales. Je vous pensais meilleure, Stéphane, sur le blind test. Non, je les connais toutes. Oui. Mais j'étais moins rapide, disons. Les comédies musicales, le concert en tournée dans toute la France et au Dôme de Paris le 15 mars prochain. Le concert des 25 ans, ce sera le 21 décembre 2024 à la salle Pléhel dans un an. Et on attend l'album des duos. Un concert symphonique. Et le concert symphonique. Ça, ce sera Pléhel. Oui. Ce sera un concert symphonique. Vous restez avec nous, Hélène Segarra. Oui. J'avais envie de faire une petite page de pub parce qu'on a remarqué que vous avez tous fait de la pub. Vous avez ce point commun. On lance une page de publicité juste pour respirer un petit peu. Quand je commence une cure de compléments alimentaires, je la termine rarement. Je ne suis pas la seule. Avec mon Belvoudé, j'ai encore plus de liberté et je me sens bien. Je découvre de qui je descends. Robespierre? À mes aïeux. Un révolutionnaire. C'est vous avez quel âge là? J'avais 17 ans je crois. Vous avez 17 ans? Ouais, c'était ma première pub, c'était Canal Sat je crois. Ah ouais. Mesdames, mignon, messieurs, avec les cheveux longs. Il est mignon, oui. Ouais. Merci Hélène. Il y a un truc hein, entre Hélène vous ce drague. Soir. Vous draguez Karine Le Marchand, ouais, elle vous drague, moi je sais plus quoi faire. Allez, c'est l'heure d'accueillir tout de suite le meilleur expert politique de France, voici Philippe Cavrivière. Ah. Bonsoir. Alors, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bonsoir à tous, ça va? Ça va mon filou? Oui, alors très belle émission. Très très belle émission. Par rapport à la semaine. Oui, alors excusez-moi, mais je n'en dirai pas autant de l'émission de la semaine dernière. Est-ce que vous avez regardé l'émission? Non. Eh bien, vous avez bien fait, Karine, de ne pas la regarder. Parce que c'était pas notre émission. Non. La belle époque, hein, comme les gens disent. Comme les gens disent. Notre belle époque qu'on connaît.
c'était un grand cabaret la semaine dernière. Vraiment, il y avait un numéro d'hypnose. Vraiment, on se serait cru chez Patrick Sébastien, c'était gênant. On voit, regardez ce qu'on a proposé aux gens. Excusez-moi, mais ça n'est pas l'ADN de l'émission. Et puis, Léa, franchement, faire participer nos deux plus grands intellectuels français, Alain Minc et Jacques Attali. Parce que Jacques Attali et Alain Minc qui font un atelier de fist-fucking, on ne sait pas. Ça n'est pas digne de vous, ça n'est pas digne du service public. Oui, je sais. Alors, certains téléspectateurs altruistes se demandent ce qu'est devenu Maël, notre rédacteur en chef, dont les doigts sont restés collés à la suite de la séance d'hypnose. Eh bien, figurez-vous qu'il est toujours coincé. Il apprend à vivre avec son handicap. Alors, on va vous donner des nouvelles. Là, c'est Maël au bureau, regardez-le. Il est au... Alors, il tape à deux doigts comme un policier un petit peu. C'est un peu plus long, mais il s'habitue. On va découvrir Maël au resto. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Moins 7 kilos en une semaine. Parce qu'il prend le temps de mâcher. Vraiment, on fait tous la même erreur, on mange trop vite. Là, il prend le temps de mâcher. Et avec une paille et une nourriture mixée, on arrive à s'en sortir. Plus embêtant, Maël en sanitaire. Alors ça... C'est une photo. C'est une photo qui date de ce matin. Il y a encore, s'il y a un volontaire parmi vous... Qu'il se dénonce, voilà. Oh mon Dieu! Partons. L'actualité internationale, le nouveau président argentin ultralibéral, Javier Milei. Oui, prononcez bien. On l'a découvert, celui-là. Veut s'attaquer à la tronçonneuse au problème de son pays. Oui. Don't cry for me, Argentina. Ah, l'Argentine. Santiago, Rio, Bogota, Caracas. Je connais bien l'Argentine. Oui, bah oui. Nous, en France, on a inventé le président normal. Eh bien, dans le monde, il y a une vraie tendance, il y a une vraie mode du président zinzin. Désormais, Donald et Jair ne sont plus seuls, ils ont un nouveau copain, c'est Javier. Alors, ouais, effectivement. Javier, alors déjà physiquement, on est sur une propale intéressante. On a la coupe de Jean-Louis Borloo, les rouflaquettes de Dick Rivers et les lunettes de mots croisés de Jean Castex. Et quand on voit sa photo, on se dit que c'est une intelligence artificielle qu'il a créée, mais sous extasie. C'est pas un vrai. Ah ben si, c'est un vrai. Je crois que le programme politique de Javier Milei est à son image un petit peu déroutant. C'est déroutant. On peut reprendre les déclarations de Javier qui ont su séduire les Argentins. Il a déclaré... Le peso a moins de valeur que l'excrément. Et surtout, je ne m'excuserai pas d'avoir un pénis. Voilà. Alors moi, si en sortant... Il a dit ça, pour de vrai, hein, c'est des vraies déclarations. Alors moi, si en sortant de l'émission, par exemple, je monte dans un taxi qui a une tronçonneuse et qui hurle « Je ne m'excuserai pas d'avoir un pénis !» Eh bien, je vais sortir du taxi, car j'aurais peur. Eh bien, oui. Les Argentins, ils ont dit non. Lui, c'est le gars qui va conduire notre pays. C'est, voilà. C'est notre gars sûr. Voilà. Alors, sur les sujets de société, il est difficile à suivre. Javier Milei, par exemple, il est pour la vente d'organes, c'est vrai, c'est dans son programme, mais contre l'avortement. Donc, ça veut dire que pour Javier, tu as le droit de vendre ton rein avec qui tu vis depuis une bonne quarantaine d'années, mais tu n'as pas le droit de vendre un fœtus que tu portes depuis 3 semaines. Donc, tu as quand même créé des liens avec ton rein, tu vois. C'est ton copain, ton rein. C'est lui qui sent en premier si ton pipi sent l'asperge, tu vois. Eh ben non, c'est pas normal. Oui. On a vécu les premières bonnes nouvelles du Proche-Orient avec les libérations d'otages. C'est un peu la victoire de Joe Biden, le président des EHPAD Unis d'Amérique, qui a soufflé lundi 20 novembre, 81 bougies. Alors oui, ben, 81 bougies, ça fait du dégât. Ah, il les a soufflées en à peine 45 minutes et 27 centièmes. Bon, sur les 4 dernières, il a quand même un peu galéré. Il souffle un peu moins fort à son âge. Bon, le dentier est parti à un moment donné. C'est tombé au milieu du gâteau, il a fondu. Donc... Enfin...
Et il faisait comme ça. Quelqu'un veut du gâteau? Non, ça va, merci, ça va aller. Alors, physiquement, Jobidan ne va pas fort. Mais autant physiquement il va pas fort, autant intellectuellement il est à la dérive complète. L'Élysée a annoncé que la France se tenait prête si besoin pour accueillir les enfants blessés de Gaza. Oui. Très beau geste de solidarité. Mais vous avez vu l'état de nos hôpitaux? Alors, en arrivant, les Gazaouis ils vont arriver. Ah mais vous aussi vous avez été bombardés? Ah non mais il y a un trou dans le plafond là. Vous avez pris un missile là. Ceux qui vont faire les Gazaouis, ils vont dire, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre nos pièces jaunes. Comment elle s'appelle, votre mémère, là? Bernadette Chirac. On va envoyer des sous. On va envoyer des sous. Le sénateur centriste... Ah oui, ça, je vous attendais. Oui. Le sénateur centriste, Joël Guerriot, est soupçonné d'avoir drogué une députée pour abuser d'elle. Il a été placé sous contrôle judiciaire et exclu de son parti. Oui, alors, qui est Jojo, déjà? Qui est ce Joël? Qui es-tu, Joël? En fait, c'est un Damien Abad avec des bras. C'est un peu ça. C'est la même histoire. Je fais un parallèle. Joël Guerriot affirme, donc il dit, c'est pas moi, c'est un collègue sénateur qui lui aurait donné de l'ecstasy sans qu'il sache ce que c'était. C'était euphorisant. Euphorisant. Alors, remarque, c'est un cadeau original, la drogue, à un ami de 66 ans. C'est vrai que quand t'as un copain de 66 ans, tu lui achètes une compile de Daniel Guichard ou de Michel Thor ou une petite tondeuse Black & Decker, mais tu ne penses pas à la drogue, tu vois. Noël approche, peut-être c'est peut-être l'occasion d'offrir à vos anciens peut-être un cadeau inattendu, tu vois. Les petits vieux, ils vont faire « Oh, regarde, Simone, regarde !» Ah, c'est de la coke. Ah, oh, j'en avais marre des écharpes. Attention, bien sûr, on est samedi soir. Il y a des jeunes qui nous regardent, on est samedi soir, on leur répète, la drogue, c'est avec modération, bien sûr. Le sénateur a expliqué qu'il était en possession de drogue parce qu'il aurait envisagé d'en consommer pour supporter le fait. C'est logique, ça fait sens. Voilà, son chat. J'ai l'impression, ça fait sens. Joël Guerriot se disait chamboulé parce qu'il avait peur de perdre son chat. Et ça arrive. Il y a eu des cas célèbres. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. La mère Michel. Je ne sais pas si vous avez connu la mère Michel, mais la mère Michel, dès qu'elle perdait son chat, disait... Oh, 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 oh. Amy Winehouse, la mère Michel. Alors... On rappelle que Joël est un proche d'Édouard Philippe. Et si ça se trouve, c'est à cause de ce con-là qu'il a perdu tous ses poils. Il a dit, tiens, Édouard, je t'ai préparé un petit cocktail maison. Fais-moi un petit cul sec. L'autre, en confiance, il a bu. Et derrière, c'est tombé. Voilà. C'est Joël. On termine avec Bruno Le Maire. Le ministre s'est rendu dans le Nord-Pas-de-Calais pour rencontrer des sinistrés, des inondations. Mais est-ce que c'est vraiment un soulagement pour nos amis ch'tis de voir Bruno Le Maire arriver? Parce que t'as un mètre d'eau, t'as tout perdu. T'as perdu ton salon, ton écran plat. Ta mémère, elle est en haut de l'armoire. Et t'as Bruno Le Maire qui arrive et qui fait « Eh bonjour, c'est Bruno Le Maire, comment ça va ?» Alors, ton armoire normande qui est juste à côté, t'as envie un peu de lui mettre dans le fion, dans son renflement brun, comme il dit. Alors, Nono Le Maire, il est venu dire... Non, les entreprises ne fermeront pas à cause des inondations. Alors les ch'tis, ils ont répondu, bah, je parle d'entreprise, moi. Je suis à RSA depuis 35 ans, là. Ça, le gamin, là, qui bosse pour nous, il a 11 ans, le petit Brandon. Depuis qu'il a 8 ans, il bosse. Mais là, il va être en congé parental, là, il va avoir... Brandon, c'est laquelle de les sœurs que t'as mis enceinte, encore? C'est Ashley ou Britney? Oh là là, on manque, vous allez encore avoir des amis. Quoi? Mais ça est quoi? Les ch'tis. Les ch'tis, c'est ceux qui ne m'envoient jamais de messages méchants. C'est vrai. Quand on fait les trucs, c'est ceux qui ont on le plus de moi. On les embrasse. Eh oui. Non. Eh oui. Philippe, vous restez? Je reste, mais vous savez pourquoi vous restez? Bah oui, je sais. Votre nouvel amoureux. Voilà, vous êtes envoûté. Karine, on n'est pas vraiment ensemble. J'ai eu peur un peu. Vous me l'avez un peu piqué. Écoutez, oui, mais je lui dis, il faut une émission quand même où ça rigole vraiment tout le temps. On est très contents de vous avoir tous les deux parce qu'effectivement, Bande Organisée, c'est tous les dimanches, là, c'est dans quelques heures, à 17h45. Demain, alors, demain, il n'y a pas parce qu'il y a l'Eurovision Junior. Ah, oui. Ah, il y a c'est à cause de Berne. C'est encore Berne qui prend la case. C'est pas moi qui organise. Franchement, l'Eurovision, c'est tous les heures. Mais
Dimanche prochain. Dimanche prochain, ça a été lancé. Même après votre émission, on est rediffusé. Ah oui. Donc, ah oui. Juste après votre émission. Alors c'est quoi le 3h du matin. C'est quoi le pitch de cette émission à part que le vous... pitch de l'émission. Le pitch de l'émission, ouais. À part que c'est en bande organisée. On attend de savoir, on la regarde pour... Maintenant, vous êtes à 18h45, c'est 18h30, vous faites une chronique tous les soirs sur RTL, ouais. Dans RTL Soir, et votre première chronique, ça donnait ça. Aïe, qu'est-ce que j'ai dit? Et je sais ce que pensent les auditeurs d'RTL. Ouais, il vient de France Inter, c'est sûr qu'il est de gauche, et bobo en plus, oui. Rendez-nous Pascal Pro. Alors, non, je ne mange pas de boulgour en écoutant du Médine entre deux cours de yoga Bikram. Ah, yoga Bikram, c'est Cyprien. Voilà. Vous balancez direct. C'est parti de gauche à lui. Bon. Non, mais je me définirais effectivement comme un islamo-gauchiste modéré. Ah. Modéré. Mais rassurez-vous, j'aime beaucoup les gens de droite. Pour preuve, j'ai même des parents de droite. Qui sont enfin prêts à me remettre sur leur testament maintenant que je travaille sur une chaîne qu'ils écoutent, mais ils ont respectables. Alors, c'est pas trop dur? On salue mes parents? C'est non, pas, pas du tout. J'ai l'impression vraiment de faire la même chose, juste que j'ai changé d'école. Et c'est toujours rigolo quand on change d'école, parce qu'on a envie de bien faire dans sa nouvelle classe. Et c'est... honnêtement, ça, j'étais très bien accueilli aussi, donc je suis très heureux. Je suis désolé de vous dire comme ça, mais... Et Charline, elle vous manque pas trop, mais Charline oui, Hanmaker? Vous me manquez, Tanguy Pastureau me manque, Charline et son équipe me manquent. C'est évidemment... vrai qu'on l'embrasse, Charline, elle a vécu des petits moments difficiles. Mais c'est mon binôme et on l'adore. Historique de radio, sans elle, j'aurais pas appris le métier comme ça. Et l'affaire Guillaume Meurice, vous avez un avis? Je n'ai pas entendu parler. Qu'est-ce que vous avez pensé? Évidemment que j'ai un avis, mais je comprends tout. C'est-à-dire que j'ai des gens qui étaient touchés épidermiquement et qui m'en ont parlé presque avec les larmes aux yeux. Et évidemment, quand on fait une blague, parce que ça n'est qu'une blague qu'il a essayé de faire, qu'il a voulu faire, qu'on peut toucher des gens. Et peut-être que ce n'était pas comme ça qu'il fallait la faire, peut-être que ce n'est pas le bon moment, tout ça. Il y a la loi qui doit en discuter, parce qu'au fond, le pauvre, il a été à la police cette semaine, et expliquer une blague à un policier, ça doit être quelque chose. Donc j'aurais bien aimé être là. Donc vous dites que ça prend des proportions. Mais moi, je pense que ça a été instrumentalisé aussi, et vous le savez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aimaient pas France Inter avant, et qui ont trouvé un très bon os à ranger pour continuer à ne pas aimer France Inter, et à dire avec votre argent. Parce qu'évidemment, quand on fait de la radio ou de la télévision publique, les gens ont l'impression que c'est avec leur argent. Et donc ils ne voulaient pas entendre ça avec leur argent. Je peux l'entendre. Je dis à Guillaume, viens sur RTL, c'est pas l'argent. Vous faites le marché partout. Bon, tous les deux, bande organisée. Oui. Alors, vous êtes contents? Vous entendez bien? Vous chambrez? Pas du tout. Alors, non, on en a fait combien? 4? 4. Moi, j'ai jamais eu en télévision autant de liberté avec. C'est Arthur qui nous produit et France Télé qui nous donne cette liberté. France Télé l'aimait lui ici et moi à Télématin. Et donc, nous a mis ensemble le dimanche à 17h45. Et on rigole beaucoup et on essaye. Il n'y a plus d'émissions que d'humour depuis très longtemps en télé française. Donc c'était chouette qu'on nous confie ça. De l'humour et des tacles, il y en a pas mal entre vous deux. Je vous demande d'applaudir le jeune humoriste qui monte, Philippe Cazerizière. Bardella, on t'aime. Mais non, Bardella, non, si c'est rigolo, non, Alex, dis pas ça. Cher monsieur, je vous trouve insupportable. C'est pour toi, Alex. Je vous trouve insupportable, effectivement, mais moins que l'autre connard superficiel, prétentieux et tatoué à côté de vous. C'est à moi, c'est bien pour moi. Ils ont failli mettre à notre place une intelligence artificielle. Alors, et même, c'est un peu ce qu'ils ont fait, l'intelligence, l'artifice. Vous avez déjà reçu François-Xavier de Maison, oui. Isabelle Nanty, Mathilde Seigné. Stéphane de Groot. Et les politiques, vous les allez recevoir ou non? Alors, on voudrait, et on va essayer, mais on ne veut pas non plus des gens en élection. C'est-à-dire que je pense que... En campagne. J'ai mal compris, moi. On ne veut pas des gens en campagne, je crois. Mais... Il a compris en élection. Oui, il a compris en élection. En élection. OK, donc je peux être invité. Vous devriez l'inviter, coup, de Charles. Je lance l'invitation, Dominique Strauss-Kahn. Si vous nous regardez, vous êtes le bienvenu. Pour continuer à mieux vous connaître, je vous propose un portrait chinois croisé à tous les deux. Alex, oui. Si Philippe était un péché, il serait quoi? Ah, pas la paresse, parce qu'il bosse beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, lequel de vous deux bosse le plus? Parce
c'est compliqué, mais on aime tous les deux bosser, on bosse tous les deux beaucoup et on est très entouré quand on bosse. Donc c'est chouette, ouais. On a un peu la même méthode. Maintenant que je connais les salaires à RTL, je pense que c'est l'avarice. Philippe, si Alex était un péché, il serait quoi? Oh, il serait pas un péché, il en serait 12. La gourmandise, déjà. C'est vrai que la luxure. Ouais. Je trouve qu'il a des péchés de droite pour un mec de gauche. C'est, vous avez pris un petit peu. Hein, depuis que vous êtes sur RTL, on voit le salaire. Ouais, c'est... Vous savez qu'on l'appelle Amex, disons, tellement son salaire est élevé. Si Philippe était un politique. Rachida Dati, parce qu'il n'y a que Rachida Dati qui a autant de bijoux que Philippe Cavalier. Philippe, si Alex était un politique. Bye. Il est passé de France Inter à RTL, donc il est passé de gauche à droite. Donc il pourrait être Valls, ouais, ou Dussopt, ou Moretti, ou Le Drian, ou Colomb, enfin tous, quoi. Tous, quoi. Si Philippe était un chanteur, tiens. Vous vous souvenez dans... dans l'émission sur M6, là, quand on cherchait les chanteurs. La nouvelle star. Au début, il y avait toujours un petit générique avec ceux qu'on n'a pas pris. Vous voyez, Je l'ai vu venir. Je pense qu'on l'aurait vu dans cette partie-là. Et lui, s'il était un chanteur, il serait qui? Il serait une chanteuse, il serait Michel Thor. Ouais, parce qu'il est fan de Michel Thor. Il est fan. S'il était un monument. Ah si, ça je sais. Il serait la gare de Limoges. Comme ça, il serait obligé de rester définitivement à Limoges. Et comme il est méchant... Comme il se moque avec... Il se moque tout le temps de Limoges. S'il a fait une vanne sur Limoges, moi, j'ai fait bêtement une surenchère idiote. Et du coup, ils m'ont invité, moi, à aller à Limoges. C'est pas moi qui ai commencé. C'est moi qui suis puni, je dois aller à Limoges. Et lui, s'il était un monument, ce serait quoi? Le mannequin Peace. Oui. Il est coiffé pareil. Merde. C'est préparé, mais c'est la ressemblance que... va juste un peu plus bas aussi. C'est vraiment là. S'il était un écrivain, je pense qu'il serait Gabriel Mazneff, parce que c'est le seul qui arrive à toucher un public jeune sur RTL. Non, moi, pas une saloperie. Amélie Nothomb, parce qu'elle est belge et qu'elle a beaucoup de talent. Lui, il est sympa. Oui, on voit qui est la petite salope. La petite salope. C'est vrai. C'est tellement gentil. Allez, pour terminer, s'il était une qualité, vous êtes capable de dire une gentillesse? Sa grande qualité, et vous allez d'accord avec moi, c'est qu'il s'entoure très bien de gens talentueux pour faire de la télévision. Je suis d'accord avec vous. Bon, je ne suis que d'accord avec vous. Je dirais la fidélité en amitié. Hein, parce que... j'aimerais pas être Madame Vizorek, Mesdames Vizorek. Ah non, non. Il s'en passe au studio Gabriel. Si Philippe était une femme, J'aimerais que ce soit vous, comme ça on passerait le dimanche après-midi ensemble. Oh, c'est pas mal. S'il était une femme. Si Alex était une femme, déjà, il galérerait sur Tinder, parce qu'avec un physique comme ça en femme, même avec des cheveux longs, je pense que ce serait compliqué. Vous savez qui sort l'histoire du suppositoire, parce qu'il n'a pas d'enfant, il ne veut pas d'enfant. Vous voulez toujours pas d'enfant? Vous avez changé d'avis depuis que sur RTL. Non, ça n'a pas changé. Alex Vizorek est un des rares... Vous aussi, Stéphane, vous dites « je veux pas d'enfant ». C'est un peu tard, maintenant, pour moi. Oui. Non, à 60 ans, ou alors il faut qu'il le prenne. Si Karine Eldici, c'est Anne Eldici, c'est ça. Non, il peut adopter un gars de 30 ans. C'est une fille. Non, mais je comprends. On se poursuit comme on peut, mais je pense que la transmission... Dans Bellefond, par exemple, ce sont des jeunes à qui je transmets le savoir. Et puis, j'aime faire visiter mon monument historique à des visiteurs. Ah, c'est curieux. C'est pas... Non. Tu n'en es pas loin. Bon, là... Mais heureusement que je n'avais pas dit à des écoles. Ça en aurait été embêté. On a beaucoup d'écoles aussi. On a beaucoup de scolaires. C'est n'importe quoi. C'est un collège en même temps. Je crois que je vais me désolidariser ce soir. De ce moment. Non, mais j'ai rien dit qui choque la morale quand même. J'adore faire visiter mon monument à tout le monde. Oui, mais parce que je suis dépositaire d'un monument historique dans le pays que j'ouvre au public. Ouais. Donc, voilà. Et donc, c'est ça la transmission. Moi, j'avais compris, Stéphane. Oui, merci. Alex, vous ne voulez pas d'enfants. En revanche, vous adorez écrire des contes pour les enfants. Ouais. Moi, j'avais adoré le tome 1 du suppositoire. Je n'étais pas la seule, puisque vous l'avez vendu un petit 60 000 exemplaires. Voilà, on est très contents, on ne s'y attendait pas. Je pense que c'est le,
C'est le bouquin enfant qui a le plus vendu l'année dernière, oui. Hors manga. Hors les séries, c'est-à-dire que Mortel Adèle et tout ça. Oui, et alors figurez-vous, je suis venu chez vous un soir, on avait parlé de ce livre-là, le lendemain sur Amazon, j'étais deuxième. C'est ouf. Derrière le prince Harry qui avait sorti ses mémoires. Ah ouais. Donc c'est donc, vous êtes content et l'éditeur peut nous remercier. Exactement, donc ça veut dire que les gens qui regardent l'émission en général, eh ben, ils se disent, si vous le vendez bien, ce que vous allez faire maintenant, on va commander immédiatement le livre. Je vais citer Nicolas Demorand, que vous mettez en exergue ici. Je me suis bien bidonnée en lisant ce livre qui ravira les enfants au stade pipi-caca et surtout les parents qui y sont restés. Mais ouais, alors moi j'aime bien que mon père était rigolo, il me racontait des blagues et tout ça, et je trouve que l'humour, c'est un des trucs les plus importants à transmettre. Et donc, si les gosses peuvent rire avec leurs parents qui rient peut-être pas de la même chose, mais qui s'expliquent pourquoi ils se marrent, j'ai réussi un truc. Oui, une blague sur le suppo qui me fait beaucoup rire. Je peux la sortir. Ah oui. Allez-y, Hélène. Qu'il est triste, le suppositoire qui a peur du noir. Voilà, c'est tout. Oh, c'est joli. Elle est mignonne. C'est joli. C'est joli. Bon, vous, votre suppo, il s'appelle Luc. Il s'appelle Luc, celui-ci, parce que dans le premier, comme il n'a pas réussi à échapper à sa destinée complètement, je n'ai pas pu reprendre le même suppo. Oui, et donc là, il s'appelle... Celui-là, il s'appelle Luc, c'est donc... Et ça vous a pas c'est échappé. C'est du Verlan. Et... Oui, vous êtes balèze. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et lui, il va dans l'espace. Il va dans l'espace, et à un moment, il regarde... Grâce à une astronaute qui l'emmène. Qui s'appelle Ariane, et qui l'emmène. Mmh. Et c'est-à-dire que quand il regarde la fusée en arrivant à Cap Canal Anal... La fusée le regarde et lui dit « Je suis ton père, Luc. » J'étais assez content de cette vanne. Ça donne des dialogues savoureux. Tiens, vous pourriez nous lire un petit dialogue ? Tiens, allez, Stéphane et Karine qui vont lire. Alors, c'est quoi ça ? Je vois pas mes lunettes. Oui. On commence par Thomas, fut vite pris de douloureuses crampes à l'estomac. Thomas et Ariane, c'est les astronautes, donc. D'accord. Donc, fais l'homme. Donc je fais ça, moi. Pour une fois. Je fais ça, moi. Tu vois, là, tu cherches. C'est beau rire, pardon. Il est tard. Vous avez le droit. C'est-à-dire qu'elle est sur Internet, c'est la semaine prochaine. C'est Ariane qui parle, là. Oui. C'est Ariane, vas-y. Ah, oui. Attends, je regarde les ingrédients proposés à Ariane en retrouvant le sachet. Je n'arrive pas à lire. C'est écrit tout petit. Il y avait du pipi. Du pipi. Il y avait du pipi. Mais non, pas du pipi. Du piment. Il y avait du piment. Du piment de caca. Du piment de caca. Thomas semblait sur le point de s'évanouir. Mais non, pas de caca. De caca, de Cayenne. Du piment de Cayenne. Thomas se précipita dans les toilettes sans répondre. En ricanant, Ariane prévint le centre de contrôle. Houston, on a un problème. Thomas a des ennuis. Franchement, ils l'ont très bien lu, mais c'est surtout très drôle. J'ai lu le numéro 1 à mon fils, je vais tenter le numéro 2. L'histoire du suppositoire qui visait la Lune, c'est chez Michel Lafond, illustré par Caro Powels. Ouais. Et en bande organisée, c'est tous les deux, les amoureux, qu'on retrouve donc pas ce dimanche, mais dimanche prochain, 17h45, sur France 2. Philippe, vous revenez dans 5 minutes, oui. Dans 5 à minutes, dans 10 salut. Minutes. Juste le dans temps de parler de Monsieur de Préto. Et de cet album génialissime, 12 chansons qui parlent d'amour. Eddie de Préto, vous l'avez sorti il y a une semaine, ça s'appelle Crash Cœur. Il y a une tournée des Zéniths à partir de février, 2 Olympias en avril qui sont déjà complets, c'est pas la peine de prendre. En revanche, il y a l'Accor Arena en décembre 2024. Regardez l'affiche de l'Accor Arena. Mais regardez-moi ce corps. Non, mais oui. C'est le même mec qui dénonçait la virilité abusive qui fait la photo. Bah non, mais justement, c'est un signe. C'est quelque chose qui joue de ça, qui joue de ces codes-là. Bien sûr, je ne suis pas musclé pour un sou. Le premier single carton, Love and Tendresse, vous allez nous l'interpréter ce soir et on est très très contents, je le connais par cœur. Tout l'album parle d'amour. C'est Juliette Armanet qui est sur une chanson qui vous a encouragé à écrire des chansons d'amour. Il y a Juliette Armanet, il y a aussi D6 qui a écrit un album qui s'appelle tout simplement L'amour. De plus en plus, j'ai l'impression qu'on accepte de parler de ça de la manière la plus simple possible, la plus juste possible. Et moi, ça a été important pour moi de revenir à cet intime-là, à ces sentiments-là. Ouais. J'ai longtemps décortiqué la société. Aujourd'hui, je trouve qu'elle est de plus en plus divisée, qu'elle est de plus en plus rude, qu'elle est de plus en plus puante. C'est compliqué de mettre des mots aussi justes, avec un certain recul. En tout cas, là, j'en avais pas la force. Et, là, et du coup, je me suis concentré sur mon intime. Sur mais l'amour, dans tous les sens du terme, il n'est pas que mièvre et futile. C'est ce que vous dites, d'ailleurs. L'amour trop rose et trop niais, ça m'ennuie, chier, ça me fait chier. Il me faut du subversif, je veux salir le sentiment. Même si je regarde Karine Le Marchand les lundis soirs, où c'est très mièvre. Non, mais c'est vrai, c'est de l'amour. Vous revendiquez... C'est de l'amour... J'adore, mais là, cet album-là... Parfois dégoulinant, bien sûr. Voilà. Je dis
dites qu'il y a beaucoup d'amour dans l'album, il y a aussi beaucoup de sexe. Il y a du sexe, énormément. Ouais. Prends-moi bah, sur Karine. Un capot. Prends-moi sur un capot. Pardon, je voudrais pas... Mais là... Pardon. Mais parce que... Qu'est-ce que je sais pas ce qu'il... Non, mais il est amoureux de vous, en fait. Mais oui, je suis amoureux de Karine. Ah, il est mignon. Bah oui. Qu'est-ce que je vous dise ? Alors, donc, je vous dis ce qu'il chante. Oui. Prends-moi sur un capot. Oui. Bah, c'est la vraie vie, ça, ouais. Tout ça aussi, le sexe, le fluide. Dès que je voulais parler de sentiments, j'ai eu... c'est pour ça qu'il y a une sucette aussi sur la pochette, c'est le côté dégoulinant, les fluides, les sucs de l'amour, tout ce qui... quand on a une relation sexuelle, bah, c'est des liquides qui se croisent et nos salives, nos crachats se mélangent. Et c'est aussi la beauté. Oui, il est tard. On a le droit. Là, il est très tard. Là. Sur le crachat, il est très tard. Mais c'est aussi, ouais. Mais c'est aussi la beauté. Ça ne regarde que nous. C'est pas frère. Mais c'est aussi la beauté des relations. Lui, il aime salir le sentiment. Vous aussi, Karine? Ah non. Pas du tout. En tout cas, cet album raconte aussi ces histoires, ces relations qui ne sont pas toujours roses ou de la bonne façon d'aimer. En tout cas, vous dites je suis toxique dans mes relations. Non, je ne dis pas que je suis toxique, pas du tout. Je peux même être assez toxique dans mes relations. Télérama. Il ne faut pas écouter Télérama, je vous l'ai déjà dit. Voilà, on l'a déjà dit. Oh. Non, ce que je voulais dire par là, c'était qu'on n'était pas tout seul à faire des relations. Il m'est arrivé dans des couples de retomber, non mais de tomber dans des systèmes où l'autre nous amenait à être le pire de soi. La beauté et l'amour, pour vous, la plus belle définition, et c'est vrai qu'elle est belle, c'était cette image qui est devenue virale, qui est magnifique. Ah, quelle beauté, mon Dieu. Quelle beauté. Oh là là. Ah, j'ai pleuré, dingue. Ça, moi, ça. Ouais, j'ai pleuré. Oh. Et dit ça, c'est le compagnon de Daniel Slassal, la professeure qui a été tuée par poignardé par un de ses élèves en février 2023, il y a quasiment un an. Et c'est une... Oh là. Il danse parce qu'elle adorait danser. Elle adorait danser. Il danse tout seul sans elle. Honnêtement, je ne savais pas qu'il l'avait choisi puisque je l'avais fait l'année dernière avec vous. Et c'est une représentation extraordinaire, justement, de l'amour que ce que fait cet homme. Ah ouais, je trouve ça magnifique. J'aimerais beaucoup qu'on fasse ça, moi. Justement, quand j'ai vu cette image, quand je suis tombé sur cette image, il y avait une chanson que j'ai écrite sur cet album qui s'appelle Urgence 911 et qui parle justement de comment on va danser et jusqu'où on danse, même quand la personne avec qui on aime part, meurt. Est-ce qu'on continuera de danser dans l'ambulance avec elle sur la piste de danse? Et c'est exactement cette image qui m'a fait boum quand j'ai écrit cette chanson. Et il y a eu un lien et c'est pour ça que c'est une image très forte qui parle de cet album. Vous l'aviez pas vu, Karine? Si, si, mais à chaque fois, ça me bouleverse. Je disais tout à l'heure que j'avais peur que la civilisation s'éteigne. Il y a peut-être moins de gens qui sont lumineux, mais je les trouve plus puissants qu'avant. J'ai parce beaucoup d'espoir quand même. Parce qu'il y en a moins, oui, t'as raison. Oui, mais Diradi, il y a des gens, ils nous bouleversent par leur humanité aussi. Et c'est à eux qu'il faut s'accrocher. Et d'ailleurs, si ce monsieur nous regarde, je ne peux que le saluer avec beaucoup de tendresse. Mais pardon, moi je vais compléter ces phrases et le discours de Eddie. En fait, je crois qu'on est tellement dans une espèce d'urgence aujourd'hui qu'on en devient intense. Tout simplement, on ne peut plus être tiède, on est obligé d'être intense. Mmh. Et soit dans la haine, soit dans l'amour, mais en tout cas, ceux qui aiment choisissent d'aimer intensément pour compenser. Et pour autant, il faut garder les nuances. Et ce que j'ai aimé dans l'album d'Edith Préto, c'est qu'il y a de la nuance aussi. C'est-à-dire que les mots ont un sens. Et c'est vrai que cette période manque de nuances. C'est tout blanc, tout noir, on est rentré dans un manichéisme insupportable. Mmh. Et c'est merveilleux, grâce aux chanteurs, ils ont des... Ils ont les compositeurs, mission, hein. ils ont, vous avez une mission, c'est de redonner des sens aux mots. Avant de retrouver Philippe Cavrivière dans quelques petites minutes, je vous laisse partir au piano. Ma chanson préférée du moment, Love and Tendresse. Extrait de cet album, Crash Cœur, qui est sorti il y a une semaine. Ça, c'est le vinyle et ça, c'est ça. C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux.
tu changeais d'appartement pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi, jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour rattraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse, un peu de love, un peu de love, un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse, un peu de love, un peu de love, un peu de love et de tendresse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour rattraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse, un peu de love, un peu de love, un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse, un peu de love, un peu de love, un peu de love. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour rattraper le temps qui presse. Hélène, je vous laisse partir parce qu'on me dit que vous devez partir et on accueille tout de suite. Pour finir, Philippe Cavrivière. Vous avez vu comme il chante bien? C'est formidable, moi je suis fan. Formidable. On va juste préciser pour ceux qui ne savent pas vraiment qu'ils chantent en direct, parce que c'est live, suffisamment rare pour être soulevé, c'est et qu'ils chantent magnifiquement. Et sans autotune. Sublime. Franchement, sans si vous voulez. C'est magnifique. Tout l'album. C'est 12 pépites. C'est merci vraiment, beaucoup. C'est un bel ouvrage, c'est ressenti, c'est plein de sentiments. Enfin, je sais pas, ça vous met bien. Hein, je vais vous l'offrir, tiens. Ah, Karine, je vais vous l'offrir, à la fin, vous serez vous aussi amoureuse de lui. Ah bah, j'espère bien. Ça y est. Et moi, je vais repartir avec cave, quoi. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est Black Friday, c'est les soldes. Il y en a qui perdent. Tout le monde ne peut pas gagner. Alors, le sport, après sa victoire 14-0 contre Gibraltar, l'équipe de France de football est redescendue sur terre en faisant match nul contre la Grèce. Eh oui, match nul, oui. Parce que c'est plus dur de jouer au foot contre des footballeurs, en fait. Parce que Gibraltar, en fait, c'est pas pareil. Gibraltar, l'invention, il est boulanger. Alors, autant en baguette, il est fort, autant au foot, il n'est pas... Le défenseur central, il est pompiste, je crois. L'ailier droit, c'est le maire. Alors, le problème, c'était le gardien de but, il est rabbin. Et du coup, le samedi, il n'avait pas le droit de faire de sport. Ça explique plein de choses. Alors, c'est vrai que quand on voit l'équipe principale de Gibraltar perdre 14-0, on s'est tous posé la même question. Si ça, c'est les valides, à quoi ressemble l'équipe paralympique?
Les personnes de Gibraltar. Cette semaine, justement, c'était la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ouais. L'un des principaux enjeux est l'accès de tous aux nouvelles technologies. Oui, parce qu'il y a plein d'applis qui ne sont pas adaptées aux handicapés, aux personnes en situation de handicap. On ne dit pas handicapés, les personnes en situation de handicap. Par exemple, Tinder. Vous voyez Tinder ? Parce que pour les non-voyants, par exemple. Vous voyez pas Tinder, c'est normal, elle est en couple, elle peut pas voir. C'est Raphaël vous expliquera. Raphaël y voit très bien. Il est sur Tinder. Eh oui. On soit hyper, on est tombé. Oh dis donc, mais on connaît cette tête. Et voilà. Non, mais si tu es non-voyant et que tu swipes comme ça, ben tu vois pas. Donc c'est au hasard et en fait la rencontre se fait au moment de voilà du premier. Donc il est là. Ah, tu es venue avec ta sœur ? Les mains. Ah non, c'est toi aussi. Oh, mais tu es nombreuse. Et là, forcément, il y a une déception. Tu es nombreuse. Un mot sur oui. Paris, les JO. Anne Hidalgo s'est dit pessimiste à propos des transports et de la mise à l'abri des personnes sans domicile fixe pour les JO de 2024. Elle a déclaré, on ne va pas être prêts. Oh ben, dis donc, c'est étonnant, là. Vraiment, on tombe des nues avec cette déclaration. Non, c'est là qu'on voit le grand sens politique de Anne. C'est qu'elle pourra dire, oui, mais j'avais prévenu. Voilà. Alors, en même temps, c'est normal, parce que ça fait 7 ans qu'on sait qu'il y a les JO, donc on a été pris un peu de court. Tu vois, d'un coup, on a réalisé... Ah, mais c'est vite ! C'est l'année prochaine. Alors, concernant les SDF, j'ai pas que des bonnes nouvelles. Alors, Anne Hidalgo parle de mise à l'abri. Alors, moi, j'ai fait Hidalgo langue vivante 2. Et en fait, mettre à l'abri, ça veut dire qu'ils vont dégager en province. En fait, ça va être comme une classe verte, mais de la misère. Alors, l'autre solution qu'on peut faire, je propose, je dis pas que c'est bien... vous voyez les box de bouquinistes ouais, là qui veulent enlever. Est-ce qu'on pourrait pas cacher les SDF dedans pour les ranger? On les range comme des chocolats, comme une boîte de Kinder ou comme un calendrier de l'Avent. On les dispose et on ouvre. Enfin, oh, tiens, il y a Jean-Louis. Non, ça passera pas cela. Elle passe pas cela. Non, de rire, non, mais il faut s'en occuper. Elle, ça, elle passe pas. Celle-là, elle passe pas. Elle passe pas, non, mais il y en a plein qui passent pas. Là, c'est que... C'est comme du saut en hauteur, quand on voit que le short touche, la barre, elle tremble, et puis on se dit, ça passe ou pas? La SNCF souhaite installer des espaces de téléconsultation médicale dans environ 300 gares d'ici 2028 pour lutter contre les déserts médicaux. Oui, en voilà une belle initiative. Non, mais c'est pratique d'avoir un rendez-vous médical dans une gare. Par exemple, si on te diagnostique, par exemple, une gastro-entérite explosive. Là, t'as ton train pour... T'as ton Lille-Nice. Ça fait 9h30. Tu dis non, je vais repousser d'une semaine. Après, alors, faut reconnaître que mixer médecine et SNCF, ça risque de créer des petits flottements pour, sur les quais pour certaines personnes. Bonjour, monsieur Paul de Saint-Cernin sera reçu sur le quai 6 à 9h31 pour ses chlamydia. Les résultats du patient du quai 3 sont arrivés, c'est bien le pancréas. Ah, stade 2 avec Robert Chapat. Non, je déconne, c'est un stade 6 sur une échelle de 5, c'est très rare. Si vous avez toujours rêvé d'aller à Venise, c'est le moment, le train pour Vintimille partira à 11h23. Voix 4. On y est. Oh. Cette semaine, s'est ouvert le procès de Monique Olivier, l'ex-femme et complice présumée de Michel Fourniret. Oui, alors elle va être Monique, elle va être jugée pour enlèvement avec complicité d'enlèvement et meurtre. Michel et Monique, c'est un peu les bras des Angelina de la chronique judiciaire. Ils font la une des journaux et eux aussi, ils ont accueilli chez eux plein d'enfants qui n'étaient pas à eux. Oh. La seule différence, là, il y a des différences quand même, c'est que Brangelina fait la une de Gala et les Michoniques, ils font la une de Nouveaux Détectives. Voilà. Alors bien sûr, l'implication de Michel Fourniret dans cette affaire relance évidemment l'éternelle question, le serpent de mer des débats de société qui a ressurgi quand il s'agit de pédophilie. Faut-il faire des enfants? Alors, c'est un peu radical comme solution. Hein. Alex a répondu non. Oui. Mais force est de reconnaître que sans enfants, plus de pédophiles. Parce que les pédophiles erraient comme ça dans les cours d'école vides. C'est la solution. Ils seraient comme une influenceuse au musée du Louvre. ou Gérard Larcher. Ou Gérard Larcher chez Basic Fit.
Il ne saurait pas dire, ah non Gérard, on ne mange pas les pois de 14. Ah ben voilà, il a bouffé les pois de 14. À Strasbourg, une voiture a été transpercée par un objet non identifié. Beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une météorite. Bien sûr. Mais finalement, c'est peu probable. Ah, l'Alsace, sa bonne choucroute, ses jolies cigognes, son marché de Noël et sa pluie de météorites. Non, bien sûr que non, ce n'était pas des météorites. Alors, la voiture n'a pas été perforée par une roche de l'espace, bien sûr. C'est sans doute la bonne explication. Il paraît que ce serait un bloc de glace venant d'un avion. Donc du pipi, quoi, en fait. Et le reste aussi. La photo, là, de voiture. Alors, ou c'est peut-être un simple connard aussi qui a acheté un caillou depuis le pont, on ne sait pas. Alors, un gros caillou. Hein. Un gros caillou. Ah ouais, un gros caillou. Alors, contrairement à ce qu'on a pu lire sur Internet, la créature étrange qui, avec une démarche bizarre et un langage inconnu retrouvé près du véhicule, n'est pas un extraterrestre. Et c'est juste un Alsacien qui avait un peu trop tiré sur la Fischer Gold. L'Alsacien, c'est déjà pas évident quand ils sont sobres. Mais pourri, tu le comprends plus, l'Alsacien. Et ça, à Jean. Allez, on termine avec du cinéma pour finir. Oui. Et alors, le nouveau film de Ridley Scott sur Napoléon. Alors, il là, divise. Voilà. Il divise. Alors, tout le monde n'a pas aimé, voilà. C'est surtout les puristes qui n'ont pas aimé. D'où le bonheur d'être con. Tu vois, quand t'es con, tu vois pas le puriste comme Stéphane Bern, il va dire le costume rouge de Napoléon est bien entendu celui du premier consul. En revanche, c'est inadmissible. Le costume de colonel à cheval n'a pas les épaulettes au bon endroit. Ça m'a sorti du film. C'est inadmissible. Alors que le con comme moi qui regarde Napoléon, il va dire sont bons les pop-corns. Merci, merci Philippe, merci à vous. Alors, on y va pour les promos divers et variés. Bellefond, épisode inédit, mardi soir en prime sur France 3. Les secrets du château de Windsor. Et la reine qui aimait la France. Ça, c'est pour Stéphane Bern, Karine Le Marchand, famille de paysans. 100 ans d'histoire, c'est ce lundi à 21h sur M6. Et la France a un incroyable talent, c'est face à vous, mardi soir. Hélène Ségara qui est partie, les comédies musicales, le concert en tournée dans toute la France au Dôme de Paris le 15 mars prochain. Alex Vizorek avec tous les deux en bande organisée dimanche à 17h45 sur France 2. Et puis l'histoire du suppôt, je ne sais plus où il est, l'histoire du suppôt qui visait la lune chez Michel Lafond. Eddie de Préto, on a dit tout le bien qu'on pensait de votre disque. Voilà, Crash Test, c'est là, il est sorti il y a une semaine. Merci à tous. Christophe, on se retrouve mardi soir, mais aussi en direct. Mais on va se retrouver. Le pouvoir des océans. Mardi soir pour le pouvoir. Les super pouvoirs des océans. Des super pouvoirs. On va se retrouver mardi soir. Et vous, qu'est-ce qu'il y a hein? Ah si, si, monsieur, de toute façon, les océans, c'est les océans. Hein. On sait que c'est les super pouvoirs. Non, je trouve ça bien, les pouvoirs, moi. Ils ont des super pouvoirs, mais c'est très bien, hein, les pouvoirs aussi. Alors, mais, c'est mais quoi alors? Ben, je vais vous expliquer. Vous allez à la pharmacie, vous criez, sortez couvert. Vous avez une boîte de préservatifs gratuit si vous avez moins de 26 ans, bien sûr, cassez les meubles, faites les fous, bonne soirée, sortez couverts. Merci Christophe, merci mon petit Paul. À la semaine prochaine, à samedi prochain, pour quelle époque? Pourquoi quelle époque? Parce qu'Aurel San. C'est relou d'être relou. Mets pas d'emojis dans les messages, on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes. Pressé d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Sois tout en double, shot, remets une couche. Ah, numéro 4 Dangerous. Ah, la mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute. Sale, 30 fois le salaire de tes profs. Pour dire de la merde à tes gosses. Devant la lune en bicross. Redis-le.